Bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce conseil municipal du 30 juin à Épinay-sur-Orge. Les convocations et les dossiers ont été transmis par mail le 23 juin, accompagnés des projets de notices explicatives et de délibérations. Et le dossier a été remis sous format papier aux membres du groupe Épinay Demain. Voilà, je procède à l'appel. Olivier Marchaud. Présent. Laurence Castin. Présent. Vincent Gallet. Présent. Brice Walter. Présent. Christiane Martin. Présent. Franck Barrière, excusé, pouvoir à Muriel Dorland. Sylvie Panzani. Présent. Nathan Fabreau. Présent. Serge Duchesne. Présent. Anne Chabria, excusé, pouvoir à Christiane Martin. Christian Marais. Présent. Hélène Lequeux. Présent. Marie-Laure Luthier. Présent. Jean-Marie Schiltz. Je pense qu'il va nous rejoindre. Il ne va pas tarder. Christophe Randouin, excusé, pouvoir à Gilles Dugast. Christelle Bourdou, excusé, pouvoir à Marie-Laure Luthier. Olivier Gallet, excusé, pouvoir à Séverine Le Poulain. Séverine Le Poulain. Ghislain Didry ne sera pas là. Ça, j'en suis à peu près sûre. Encore que, bon, on verra bien. Sandrine Bouvier, excusé, pouvoir à Laurence Castin. Non. Si, si, si. Sandrine Bouvier, pouvoir à Laurence Castin. Ok, je confonds avec Pauline. C'est Pauline. C'est Pauline. Thomas Turki. Présent. Gilles Dugast. Présent. Pauline Desailly, excusé, pouvoir à Vincent Gallet. Merci. Sophie Gaudry. Présent. Omar Haddad. Présent. Monique Draghi, excusé, pouvoir à Olivier Marchaud. Adrien Futol. Présent. Maurice Legouge, excusé, pouvoir à Corinne Berras. Sébastien Blottière. Pascal Legouge, excusé, pouvoir à Sébastien Blottière et Mélanie Dorlancourt. Parfait. Donc je constate qu'on a le quorum. Je vous ai. Oh, je suis désolée. Je recommence. Maurice Legouge, excusé, pouvoir à Corinne Berras. Voilà, c'est parce que vous êtes juste après. Mais vous êtes bien présente, avec mes excuses. Corinne Berras, présente. Pascal Legouge, excusé, pouvoir à Sébastien Blottière et Mélanie Dorlancourt. C'est mal parti. Hein. Ah, je suis bien d'accord. Voilà pour le quorum. Je constate qu'il y a le quorum et que donc la séance peut valablement siéger. On commence par deux communications. Une de Vincent Gallet. Tu commences ? En fait, Ça va être très court. On va simplement, j'annonce qu'on va lancer une enquête avec formulaire sur le net pour essayer de recueillir le maximum d'informations sur les problèmes que les spinoliens rencontrent avec la fibre. Donc ça permettra d'obtenir des informations que les différents protagonistes, parties prenantes ne nous donnent pas. C'est très difficile. On n'a que... Je dirais l'écume des choses. Hein, on essaye d'aider les gens, mais on ne sait pas dire tous les gens qui ne nous préviennent pas, qui appellent les opérateurs et qui ne passent pas par nous. Donc, on veut effectivement essayer de mesurer ça pour mettre en place des solutions pour aider. Voilà. Donc, guettez les réseaux sociaux et le site de la ville. Voilà. Merci. Une autre communication de Brice Walter sur la création du groupe scolaire. Oui, c'est déjà à toi. Non, tu non, commences. D'accord. Oui, bonsoir à tous. Oui, alors une communication Pardon ? Une communication donc sur le groupe scolaire. Donc du coup, il avait été dans un premier temps évalué et étudié la possibilité d'utiliser les salles disponible sur le groupe scolaire Albert Camus pour faire face donc à l'arrivée de nouveaux écoliers spinoliens. Donc cette solution a été étudiée via un programmiste qui avait été mandaté au mois de novembre, si ma mémoire est bonne. Donc on a reçu donc une étude. Cette étude a fait également l'objet d'un chiffrage
et cette solution ne sera pas retenue. Alors pour des questions de coût, parce que en fait pour gagner 3 classes, il fallait donc revoir complètement et restructurer, démolir et refaire une restauration. Il fallait donc prévoir la rénovation énergétique également, et donc notre choix s'est porté plutôt sur la création d'un nouveau groupe scolaire. Donc un appel d'offres a été lancé il y a un tout petit peu plus d'un mois, donc sur une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'un programme de ce nouveau groupe scolaire. Donc des candidats ont répondu, on est encore en phase de dépouillement des offres. Il y a eu des questions complémentaires et donc on va choisir très prochainement donc le programmiste qui va étudier donc la faisabilité donc de ce nouveau groupe scolaire qui est projeté, en tout cas dans un premier temps, d'être réalisé sur ce qui deviendra l'ancien terrain de foot des Templiers, où on a déjà le centre de loisirs primaire. Et donc après on vous tiendra évidemment au courant. Donc le programme a pour but de vérifier la faisabilité et en tout cas d'exprimer les besoins qu'on va avoir en termes de classe, avec la possibilité d'intégrer ce qui est aujourd'hui l'école maternelle des Templiers, de l'intégrer dans ce groupe scolaire et de libérer ses locaux pour d'autres usages qui pourront être par exemple associatifs, mais bon, aujourd'hui on est vraiment en phase de programme et donc avec une espérance de sortie de terre pour d'ici 3 à 4 ans. Voilà, c'est à peu près les délais nécessaires. Voilà. Merci pour ces explications. Je passe ensuite aux questions posées par Monsieur Le Gouge, au dernier conseil, une première question concernait la redevance d'occupation du domaine public versée par GRDF. Brice, tu veux répondre ou tu veux que je le fasse ? Je peux. Tu peux répondre ? Sinon, je les ai sous les yeux, hein, comme tu veux. Bon, alors j'y vais. Pas de souci. Donc, le montant de la redevance d'occupation du domaine public versée par GRDF est le suivant. 1837,37 € en 2019, 1648,20 € en 2020, 1907,30 € en 2021. Et le montant, évidemment, pour 2022 n'est pas encore connu à ce jour. Et dans la mesure où Enedis n'a pas réalisé de travaux sur ses ouvrages depuis plusieurs années, il n'y a pas eu de redevance de RODP, de redevance versée par Enedis. Il y avait une autre question concernant le coût global de la fête printanière d'Épinay. Et Olivier Marchaud apporte la réponse. Donc, par rapport à la question qui a été posée, donc, effectivement, il y a une fête qui s'appelle les printanières d'Épinay, donc, qui a été faite le 22 mai. Le coût de cette fête est de 9 092 €. Qui est composé en fait en termes de dépenses, c'est l'allocation des barnums, le gardiennage, des goodies, ateliers, banderoles, personnel municipal, restauration des bénévoles, pour un montant de 12 043 €. Et en recette, entre la redevance et le mécénat, on a touché 2 951 €. Donc c'est une fête qui a été plutôt un succès. D'ores et déjà, on commence à avoir des gens qui souhaitent financer l'année prochaine. Donc l'idée, c'est qu'à terme, d'ici 3 ans, qu'on arrive en fait à une fête à l'équilibre. Et en gros, les dépenses soient équilibrées par les recettes, par notamment en augmentant le mécénat. Merci pour cette explication. Je désigne un secrétaire de séance, Christian Marais. Tu acceptes ? Tu n'as pas le choix. Merci. Ensuite, je passe à l'approbation du procès-verbal de la séance du précédent conseil municipal du 24 mai. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Pas de questions, pas de remarques ? Ok, alors je mets aux voix. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Ensuite, on passe aux délibérations proprement dites de ce conseil de ce soir. Le premier point concerne le débat
sur ce qu'on appelle le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable du plan local d'urbanisme. On se fait accompagner depuis plusieurs mois par le bureau d'études A4+4, qui est représenté ce soir par Marine Burguin, qui, avec Stéphane, qui n'est pas présent ce soir, nous accompagne depuis le début pour nous faire réfléchir, nous faire poser les bonnes questions sur ce projet énorme pour notre commune, très engageant pour les années à venir. Voilà, donc ce soir, on doit débattre du PADD. Marine nous rejoint, bonsoir. Et je vais lui donner la parole. Elle a préparé une présentation qui est projetée. Et je lui laisse la parole. Merci, on peut démarrer la présentation. Bonjour à tous. Une brève introduction sur ce qu'est le PADD. Donc c'est le projet d'aménagement et de développement durable du PLU. C'est la pièce numéro 2 qu'on voit sur l'écran ici, la pièce charnière, donc le projet politique de la commune qui du coup découle du rapport de présentation, du diagnostic qu'on a élaboré avec la commune, des enjeux qui en sont ressortis. On a élaboré du coup ce projet d'aménagement et de développement durable qui sera donc la base de la traduction réglementaire qui suivra dans le PLU. Pour la suite, donc ce PADD, il se compose de 7 axes. Ces axes ne sont pas hiérarchisés entre eux, donc le premier n'a pas plus de valeur que le cinquième par exemple. On est donc sur ces axes une ville accessible, au sujet de la mobilité que je vais détailler tout à l'heure, une ville naturelle, une ville active, une ville solidaire, une ville exemplaire, une ville structurée et enfin une ville porte est d'agglomération. Donc on va détailler ces axes. Alors, la ville accessible. J'ai assez peu de visibilité sur ce que je... Mais c'est pas... Alors... Du coup, chacun de ces axes est composé en différentes orientations et en sous-orientations. On ne va pas reprendre chacune des sous-orientations ce soir. L'idée, c'est d'avoir une vision globale sur le PADD. Donc, la première orientation d'une ville accessible, premier axe du PADD, l'idée, c'est de renforcer le déploiement des transports en commun sur la commune, encourager aussi l'intermodalité. C'est pour ça que sur le schéma que vous voyez juste à côté de ces axes, on est sur le renforcement des pôles gares, donc pôle gare d'Épinay et Petit-Vaux. Ensuite, l'idée aussi de compléter le maillage des liaisons douces pour un territoire qui se vit aussi à l'échelle du piéton, donc à la fois liaisons cyclables et les chemins pédestres. Persévérer dans la politique de gestion du stationnement. Favoriser et encourager les principes de l'écomobilité, développer aussi les aménagements qui visent à pacifier surtout l'espace public, son utilisation notamment par les cycles et par les piétons, et enfin maîtriser les déplacements domicile-travail qui sont nombreux sur le territoire. Si on se penche sur l'axe numéro 2, qui est donc la ville naturelle. Alors là, on se décompose en 5 grandes orientations. L'idée, alors, globale, de renforcer la qualité environnementale et le cadre de vie de la commune d'Épinay, en préservant et en mettant en valeur la trame bleue, donc constituée principalement par l'Orge et l'Yvette, qui sont deux corridors de biodiversité qui ont été identifiés au même titre d'ailleurs que la continuité agricole qu'on voit aussi sur le schéma ici comme une continuité à préserver et à développer. Ensuite, en orientation numéro 2, l'idée de consolider la trame verte, cette fois-ci dans un territoire qui est quand même plutôt urbanisé. Préserver et valoriser aussi le patrimoine, donc on n'est pas uniquement sur le patrimoine naturel mais aussi sur le patrimoine bâti dans cet axe, avec la valorisation des monuments historiques, de leurs abords, mais aussi du plus petit patrimoine qui n'est pas protégé et reconnu de manière institutionnelle. L'idée aussi de mieux intégrer le développement urbain au paysage et à l'environnement, avec notamment le traitement des lisières
entre les espaces urbanisés et les espaces agricoles et naturels, faire face aussi aux enjeux du changement climatique, avec notamment la lutte contre le mécanisme des îlots de chaleur. Donc voilà pour ce second axe. Le troisième axe, qui est la ville active, avec 6 orientations: préserver et développer l'offre de commerce de proximité de la commune, veiller aussi à une bonne intégration paysagère et environnementale de la future zone d'activité de la Croix-Ronde. En troisième orientation, on a soutenir et diversifier et développer les activités agricoles, avec l'idée donc d'une diversification de l'activité agricole, l'idée de développement aussi de circuits courts par exemple. Quatrième orientation de cet axe, soutenir la diversification du tissu économique et des nouvelles formes de travail, avec l'émergence du télétravail, des plateformes collaboratives de travail. Aussi, assurer un développement économique qui soit concerté et durable à l'échelle de l'agglomération. Et enfin, développer des filières économiques qui soient en lien avec l'économie numérique. Pour l'axe suivant, c'est Épinay-sur-Orge, ville solidaire. Là, on se décompose en 6 orientations. Alors, en partie déjà sur une politique d'habitat, l'idée de mettre en œuvre une politique d'habitat qui assure un véritable parcours résidentiel et une offre adaptée à tous. Assurer aussi un niveau d'équipement pour tous et accessible par tous. Développer une politique de rénovation et de réhabilitation de l'habitat dégradé et qui n'est pas adapté aux normes. Renforcer aussi la mixité sociale et urbaine. Améliorer la qualité et le confort de l'espace public, qu'il soit accessible à tous. Et encourager et soutenir le dynamisme citoyen et associatif de la commune, qui est un vrai vecteur de lien social pour Épinay. Voilà pour cet axe. L'axe suivant, donc on arrive à l'axe numéro 5, la ville exemplaire, l'idée de faire de la ville une référence en matière d'écologie urbaine. Tout ça, ça passe par la promotion d'un urbanisme durable et de qualité qui répondent aux enjeux du 21e siècle. L'idée aussi d'économiser les ressources naturelles du territoire, en notamment par la promotion des filières d'énergie propre et dans une logique d'excellence énergétique. L'idée aussi de promouvoir le verdissement de la ville, on l'a déjà vu dans la ville naturelle, mais on a une nouvelle orientation dans cet axe de ville exemplaire, avec on parle de trame verte et à nouveau de lutter contre le réchauffement climatique grâce à cette trame verte ponctuelle dans l'enveloppe urbaine. Accentuer aussi la politique de réduction des déchets, favoriser une gestion raisonnée des eaux de ruissellement pour une urbanisation qui soit douce et donc respectueuse des sols, et soutenir les initiatives locales en matière d'exemplarité sur la commune. L'avant-dernier axe est l'axe 6, la ville structurée. L'idée donc d'assurer un développement qui soit compact, maîtrisé et équilibré sur la commune. Donc sur le schéma, on le voit, l'idée de renforcer les centralités du centre-ville et du pôle gare. Ça passe par assurer une croissance démographique qui soit donc mesurée et maîtrisée, œuvrer pour un renforcement de la structuration urbaine, où je le disais, autour de ces pôles, mais aussi l'idée d'un renouvellement urbain dans le reste de l'enveloppe urbaine, permettre aussi, si on se base sur la carte encore, le renouvellement du site Perret-Vaucluse et programmer une extension limitée de l'urbanisation au niveau de la ZAC de la Croix-Ronde. C'est le petit icône hexagone, merci, qu'on voit au niveau de la ZAC. Parmi les deux orientations encore qui nous restent sur cet axe, on a maîtrisé et cadré la densification du tissu urbain en tenant compte des cadres supracommunaux. Et enfin, œuvrer pour le développement d'un urbanisme durable, à nouveau pour la promotion de projets qui soient vertueux sur le territoire. Et on arrive enfin au dernier axe qui dézoome finalement d'Épinay, mais qui passe à l'échelle de l'agglomération et
qui place Épinay du coup en porte est d'agglomération, avec l'idée ici d'affirmer l'appartenance de la commune à la communauté Paris-Saclay, de permettre un rayonnement du sud-est de l'agglomération par le biais de projets d'envergure, et enfin de réussir la transition écologique de l'agglomération en s'inscrivant dans les objectifs du PCAET. Voilà pour cette présentation déjà des grands axes du PADD, de la révision de ce PLU. L'idée maintenant, c'est de vous présenter les objectifs chiffrés de ce PADD. Alors, la loi Allure nous impose du coup de travailler sur la modération de la consommation foncière. On est obligé donc de définir des objectifs chiffrés, de définir un objectif, un scénario de développement à l'horizon 2030 pour la commune. Donc là, le scénario choisi, c'est 15 500 habitants à l'horizon 2030. On se base sur l'année 2018 parce que ce sont les dernières données INSEE dont on dispose, c'est les données les plus complètes. Donc c'est pour ça que tous les chiffres que vous allez voir ici, ils partent de 2018 et bien sûr, ils prennent en considération tous les logements qui ont été créés entre 2018 et 2021, donc ce qui a été créé depuis. Pour ce scénario de développement à 15 500 habitants en 2030, ça représente 4 340 habitants supplémentaires entre 2018 et 2030, soit environ 1800 logements à réaliser à l'horizon 2030. Si on met la slide suivante, donc je vous le disais, 4 340 habitants, 1800 logements. La commune, depuis 2018, donc entre 2019 et 2021, a déjà réalisé 1300 logements. Ce qui fait qu'il reste environ 500 logements à réaliser entre donc, la future approbation de ce PLU et 2030. Donc 2022 et 2030. Si on poursuit... Voilà. On se rend compte du coup que ces 500 logements pardon, qui restent à réaliser, l'idée c'est en majeure partie à 70% de les développer au sein de l'enveloppe urbaine. Donc comme on le disait dans les axes du PADD, notamment de la ville structurée, l'idée de travailler sur un renouvellement urbain de la commune et du coup d'intégrer 70% de ces 500 logements au sein de l'enveloppe urbaine. Il resterait ainsi 30% à réaliser en extension de l'enveloppe urbaine, soit au niveau de la ZAC de la Croix-Ronde, donc 169 logements. Pour la suite, du coup, je vous parlais de la modération de la consommation foncière qui doit être affichée dans le PADD. Alors, on va se baser déjà sur le PLU de 2019, le PLU qui est opposable aujourd'hui sur votre commune. Il prévoyait une consommation foncière d'espaces naturels, agricoles et forestiers de quasiment 30 hectares, dont 29,7, dont 14,4 hectares à destination d'habitat et 15,3 hectares à destination d'activités économiques. Donc ça représente, enfin finalement, c'est la ZAC de la Croix-Ronde dans sa totalité. Alors nous, on se projette pour le PLU 2023. D'après notre analyse des permis de construire des 10 dernières années, on se rend compte que du coup 6 hectares sur ces 29,7 ont été consommés, que 6 hectares sont maintenus dans le cadre du scénario que je viens de vous présenter et que 18 hectares sont restitués à la zone agricole ou naturelle. Donc on est vraiment sur une modération de la consommation foncière par rapport à ce que prévoyait le PLU 2019, donc le PLU opposable sur votre commune aujourd'hui. Voilà. J'ai fini. On attendait la diapositive. Merci Marie. Avant que Marine prenne congé de nous, je voudrais savoir s'il y a des questions. Ah, merci Marine. Merci.
Avant que Marine prenne congé de nous, je voudrais savoir s'il y a des questions techniques et uniquement techniques. Elle n'assiste pas au débat et elle est juste, enfin juste, elle reste avec nous pour répondre aux questions techniques. Est-ce qu'il y a des choses techniques, des points techniques que vous souhaitez, sur lesquels vous souhaitez un éclaircissement ? Sébastien Blottière. Merci, bonjour madame. Vous pouvez me rappeler, je suis peut-être le seul à ne pas avoir compris, comment vous avez déterminé le nombre de la projection d'habitants, de population en plus ? Vous avez fait un graphique et 2023, enfin, vous avez fait ça par rapport à des permis de construire signés ou avant, etc. Vous pouvez rappeler la formule, la règle que vous avez prise ? Merci. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de formule. On se base sur des hypothèses de développement qu'on propose aux élus. On se base sur le point mort qui est déjà le nombre de logements à réaliser pour maintenir la population actuelle qui est sur le territoire. Parce que pour maintenir un nombre d'habitants sur une commune, il faut déjà construire des logements puisqu'il y a des décohabitations. Il y a plusieurs mécanismes du renouvellement urbain, etc., qui font que pour maintenir une population, il faut construire du logement. Donc ça, c'est déjà une première hypothèse qu'on propose évidemment aux élus. En second lieu, on prend aussi une hypothèse au fil de l'eau, à savoir, on regarde sur la dernière période, par exemple là, 2013-2018, comment était la courbe. Est-ce que cette courbe, les élus souhaitent la prolonger? Est-ce qu'ils souhaitent une courbe plus volontariste, une courbe à infléchir parce que c'était un rythme trop important? Et du coup, là, on s'est basé principalement sur ces deux scénarios, ces deux hypothèses. Et du coup, l'idée, c'était de se rendre compte qu'il y a eu une très forte construction de logements et de ralentir un peu cela, tout en étant, bien sûr, cadré par les documents supracommunaux, le PLH et le SDRIF, schéma directeur d'Île-de-France, qui évidemment nous cadre en termes de chiffres et qui ne nous permet pas de faire n'importe quoi et de définir une hypothèse trop basse. Donc quand on fait un petit peu tous ces... On part de toutes ces hypothèses et qu'on fait la moyenne de tout ça, on est arrivé à un scénario de 15 500 habitants. À l'horizon 2030. Bien, merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Adrien Futol. Oui, bonsoir. Moi, j'ai juste besoin d'une petite précision sur votre carte concernant tout ce qui concerne les espaces verts. Je vois que vous mettiez deux plages de couleurs sur la carte pour distinguer deux typologies d'espaces verts. En revanche, il y a le vert très très clair. Qu'en est-il, s'il vous plaît ? Sur la partie nord-est de la ville. Je ne peux pas vous montrer de loin, c'est dommage, mais sinon je peux. Vous pouvez vous lever et aller nous montrer sur la carte. Je viens vous montrer. Ah. Oui, celle-ci, oui. Comment vous la qualifiez parce qu'elle n'est pas dans la sphère des protections. Et aujourd'hui, en fait, on a deux zones à ce niveau-là. On a la zone NZH et la zone N, où il y a déjà une distinction. Mais là, on voit l'apparition, je ne sais pas, hein, c'est une question, peut-être potentielle d'une troisième zone. Alors, effectivement, c'est peut-être un ajout qui pourrait être fait dans la légende. Et ça, c'est une zone qui est partie du zonage actuel, comme on a le jaune pâle pour la zone agricole. On a ce vert pâle pour la zone N, comme vous le dites, actuelle du PLU. Mais ok, non, pour les zones agricoles, je suis d'accord avec vous, mais apparemment, enfin, elles sont déjà représentées. Là, soit c'est un oubli, soit... parce que du coup, enfin, par rapport à la réalité, ça va commencer à être difficile de la classifier pour savoir s'il faut la protéger ou pas. Donc, parce qu'on sait très bien qu'elle est occupée. Aujourd'hui, cette zone est occupée, n'a plus sa qualification de zone naturelle.
Et d'ailleurs, dans les terres, dans le calcul des hectares gagnés et restitués par la ville, par exemple, dans cette zone-là, en fait, c'est des zones qui sont censées être naturelles, mais c'est de l'espace où il y a de l'emprise au sol matérialisée aujourd'hui. Donc, ça fausse aussi pour moi le calcul. Charintru, exactement. Je ne vise personne en particulier, rien du tout, mais c'est juste que voilà, ça ne matche plus avec la réalité, à mon sens, aujourd'hui. Donc, voilà. Je pense que c'est un élément qui peut être ajouté dans la légende, effectivement. Bien, d'autres questions ? D'autres remarques ? Je n'en vois pas. Merci beaucoup, Marine, pour tout ce travail et pour ces explications très claires. Merci et bon retour. Bien, on va passer au débat proprement dit. Et je donne la parole à Olivier Marchaud, qui en est le rapporteur. Donc, on ouvre la séance. Oui, la séance n'était pas fermée. D'accord. Donc, nous allons délibérer donc, et donc lancer le débat en fait, au niveau du PADD, du plan local urbaniste. Donc, vous avez vu cette présentation qui reprend les grandes, enfin, les, en tout cas les ambitions qu'on souhaite pour le PLU à venir. Je pourrais relire la note, mais je pense que ça reprend en grande partie les éléments qu'on a échangés à ce moment-là. Donc, y a-t-il des questions, en tout cas sur le PADD, des questions plutôt politiques hein, et plus pour partager en tout cas les ambitions qu'on souhaite pour ce PLU. Sébastien Blottière. Appuyez sur le bouton. Bon, je vais arriver, merci. Bon, quelques petites remarques d'ordre général et quelques questions. Alors, cette discussion qui est effectivement une étape préalable obligatoire dans la procédure de révision du PLU arrive à un moment clé finalement où nous connaissons des évolutions climatiques importantes, notamment des épisodes de très forte chaleur, et nous vivons aussi par ailleurs, je ne vais pas dire la fin d'une épidémie puisqu'on est encore dedans, malheureusement, puisqu'elle semble malheureusement durer. Ce contexte préalable nous impose d'adapter la ville de demain à ses évolutions et de maintenir et de sauvegarder le cadre de vie, son cadre de vie. Les spinoliens y sont attachés, cadre de vie tel qu'il existe actuellement, c'est-à-dire une ville-parc avec des espaces verts et de nombreux arbres. Alors dès lors, pour nous, une priorité, il faut sauvegarder, je pense qu'on sera d'accord de toute façon, sauvegarder tous les nombreux espaces de verdure et de fraîcheur publique dans nos quartiers, voire les multiplier si possible. Il faut sauvegarder tous les arbres existants et pas seulement les arbres remarquables. C'est important, ça participe du patrimoine environnemental de notre ville, donc ça c'est un préalable. Alors sur les orientations qui nous ont été présentées dans ce PADD, j'ai envie de dire, on est évidemment, comment ne pas y adhérer, une ville accessible, naturelle, active, solidaire, structurée, exemplaire, évidemment toutes les villes se veulent d'être exemplaires. On aurait pu ajouter aussi une ville propre, enfin d'autres considérations qui font évidemment consensus. Alors on y adhère, oui c'est très bien, mais peut-être qu'il faut aller plus loin dans la lecture du document. Notamment, et là ce sera l'objet d'une première question, vous écrivez et vous prévoyez, enfin surtout dans le projet de délibération, qu'à partir de 2022 et jusqu'à 2032, environ 70% des logements seront réalisés au sein du tissu urbain par densification ou par recyclage. Une formule un peu bizarre, on recycle tout actuellement, ou encore par des opérations de renouvellement urbain. Alors, je voudrais savoir, notre groupe, on voudrait savoir que ce que vous entendez par là, est-ce que finalement ce préalable qui, à mon avis, fera consensus, c'est-à-dire une ville avec une zone pavillonnaire environnée de jardins, est-ce que ces zones, ou certaines de ces zones et lesquelles, vont le cas échéant laisser place dans toute la ville à des immeubles? Est-ce qu'on va remplacer finalement les îlots de fraîcheur par du béton? Donc c'est une première question. Enfin, je voudrais avoir une précision sur ces 70% de logements réalisés au sein du tissu urbain et quel impact, quelles conséquences ça va avoir potentiellement sur la ville et son environnement. Merci.
Alors aujourd'hui, effectivement, il y a 70% qui est prévu d'être dans le tissu plutôt urbain. Alors ça peut se nicher à plusieurs endroits. Donc il y a des dents creuses, par exemple, qui existent aujourd'hui dans Épinay, où vous avez déjà deux immeubles qui ont été construits et vous retrouvez une petite zone entre deux parties où là, effectivement, il peut y avoir un renouvellement urbain qu'on appelle traditionnellement une dent creuse. Après, vous avez des maisons aussi qui sont vétustes, qui peuvent faire aussi l'objet d'une réhabilitation et donc recréer de l'habitat. Donc voilà, il y a différents scénarios. Il existe aujourd'hui des outils qui s'appellent les OAP qui peuvent continuer à vivre aussi en tant que tel. L'OAP centre-ville a encore son zonage et n'est pas encore complètement couvert, en tout cas, par le rôle de l'OAP. Donc voilà, il y a certains secteurs qui sont déjà plus ou moins couverts avec le PLU actuel, qu'on peut certainement modérer ou peut-être réduire, même pour certains cas. L'idée, c'est vraiment de rester dans les valeurs, en tout cas en termes de volume de production de logements qu'on souhaite, en tout cas pour jusqu'à 2030. Mais oui, il y a différents endroits où on peut... Un grand pavillon, par exemple, aujourd'hui, ça peut faire maintenant 4 logements, parce qu'il y a beaucoup de gens qui revoient entièrement et redivisent des appartements. Donc voilà, il y a plein de petits collectifs qui peuvent se créer dans des zones un peu partout. Voilà. Donc, bon, sachant qu'il reste quand même, et on souhaite quand même préserver le tissu pavillonnaire, qui reste quand même un marqueur fort pour la commune, et évidemment, on va essayer de le garder et le préserver au maximum. Voilà, maintenant, il y a quand même des quartiers qui ne sont pas totalement pavillonnaires et qui sont plutôt dans une mixité entre du collectif avec des immeubles plutôt de taille modérée et des petits pavillons qui se retrouvent entre deux immeubles qu'il faut peut-être retravailler et requalifier. Voilà. Donc là, on sera plutôt dans un travail de dentelle par rapport à Épinay, où aujourd'hui, on a quand même une massification importante qui est le fruit quand même du PLU qui a été voté en 2019. Donc l'idée maintenant, c'est plutôt de travailler quasiment sur du cas par cas et vraiment de la dentelle, où ça peut vraiment se faire, ça peut se loger à des endroits intéressants, notamment peut-être par exemple pour faire du local commercial, parce qu'on veut redynamiser par exemple sur du commercial. Voilà, il y a vraiment une stratégie, mais qui doit être relativement fine maintenant, pour rester dans cette modération au niveau de l'habitat vraiment central. Chose, vous parliez de, vous demandiez quels pouvaient être les impacts et les conséquences de ce choix. On pourrait dire que les impacts, ils sont plutôt positifs dans la mesure où transformer l'habitat dans des secteurs qui sont déjà bien équipés en termes de réseau, de commerce, finalement, d'équipement public, ça renforce la vitalité de tous ces éléments-là, et notamment le commerce. Ça minimise les déplacements, puisque c'est plus central dans la commune, donc ça, c'est bon pour la consommation carbone. Et ça, c'est cohérent avec le schéma de mobilité douce qu'on veut mettre en place dans la commune. Merci à tous les deux. D'autres questions, d'autres remarques? Sébastien Blottière. Merci pour vos réponses. Madame Panzani, effectivement, je pensais plus au logement, en fait. Le commerce, oui, c'est même une bonne chose. Mais je pensais vraiment au logement et notamment le risque. En fait, il faut être clair. Concrètement, la peur des spinoliens, elle est bien réelle. Elle était même avant, elle est encore maintenant. C'est notamment ceux qui ont un pavillon avec un jardin, des arbres, se voir entouré de deux immeubles. Voilà, il y a une peur. Et c'est à partir de cette séquence qu'on va avoir aujourd'hui et dans les... qu'on demande à être rassuré ou pas. Enfin voilà, et nous on sera attentif. Nous notre position c'est d'être attentif à ça, puisque finalement aujourd'hui en l'état du PLU on a les OAP qui densifient des secteurs mais qui protègent d'autres. Le risque c'est de soit on reste dans les OAP, soit on enlève le système des OAP, mais on étend, sachant qu'il y a aussi en creux le débat qu'on va pas forcément faire extension densification. Si on arrête l'extension de la Croix-Ronde qui est a priori encore d'actualité, enfin une volonté de votre part, hein, d'après ce que... peut-être qu'il y aura des logements prévus sur la Croix-Ronde qui seront rabattus sur la ville et ou en ville. Vous voyez, le débat peut-être aujourd'hui et à venir, ça va être cela. Et si je peux me permettre, j'ai une autre question. En fait, c'est sur la densification. Je pense au quartier de la Gare, hein, la Gare ou même centre-ville. Je lis l'orientation 6.2, œuvrer pour un renforcement, favoriser la densification au sein de l'enveloppe urbaine, notamment aux abords du centre-ville et des gares. A-t-on pas atteint un certain seuil, notamment je pense au quartier de la Gare?
sauf pour l'axe. Nous, on sera d'accord et on plaide pour un développement, notamment auprès du futur pôle multimodal, d'éléments d'activité tertiaire. Je pense à cette fameuse rue là, qui est aujourd'hui une voie privée et qui va de la route de Corbeil au centre commercial, qui doit vraiment enfin faire l'objet d'une réhabilitation, notamment dans un cadre non pas peut-être de logement, mais plutôt d'activité tertiaire. Alors oui, pour des activités commerciales et tertiaires, les logements, je pense qu'au niveau du quartier de la gare, ceux qui connaissent le quartier, peut-être qu'on a peut-être on atteint peut-être un certain seuil où on sera plutôt vigilant sur un arrêt des constructions qui sont déjà assez conséquentes dans ce quartier. Voilà, merci. Alors, sur ce point-là, je vous rejoins sur certains points. Alors, il faut bien avoir en tête que le PADD, ça reste un document d'ambition et un document politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on inscrit des intentions et un cadre pour faire le réglementaire. Donc là, à la suite de ce débat, nous allons rentrer dans cette phase de règlement. Et c'est typiquement dans ce règlement où on pourra limiter... réorganiser les OAP, peut-être les réduire, peut-être les supprimer. Voilà, c'est vraiment le débat dans lequel on va entrer maintenant, qui sera un débat beaucoup plus concret et notamment beaucoup plus technique. Hein. Voilà, tout ce débat-là va rentrer maintenant. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir bien ces deux temporalités dans la révision d'un PLU. Et là, on va rentrer vraiment dans le concret du concret, voilà, clairement. Ces intentions que nous souhaitons et que visiblement on partage avec vous, on voit qu'effectivement ça devra s'inscrire à un moment dans la réglementation pour peut-être réduire des hauteurs dans certaines zones qui sont aujourd'hui trop permissives en termes de hauteur. Peut-être qu'il y aura des zonages qu'il faudra un peu agrandir parce que il y a des continuités urbaines qui peuvent être intéressantes de rajouter. Si on prend l'OAP du centre, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin vers Mont-Regard, enfin le centre commercial du Mont-Regard qui n'est pas aujourd'hui inscrit dans l'OAP. Voilà, il y a plein de réflexions qui sont à mener aujourd'hui dans le cadre de la réglementation. Et là, c'est vraiment le travail qu'on va commencer à partir de cet été et qui va durer sur le second semestre 2022. Voilà. Et donc, juste pour faire un complément en termes de pédagogie, une fois qu'on aura fait cette partie réglementaire, après, ça sera soumis donc, à débat public. Hein. Donc, il y aura une enquête publique avec un commissaire enquêteur. Et ça, ça sera pour le premier semestre 2023 pour aboutir à l'approbation du PLU dans cette temporalité-là. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres interventions? Je n'en vois pas. Alors allez-y, Sébastien Blottir. Merci. Non, mais en lisant tout ce document, j'avais plein de petites questions, enfin autres. Sur le stationnement, sur l'axe 1, je vois sur la circulation, effectivement, c'est quand même une question très importante. Là, j'ai parlé des logements et des inquiétudes des spinoléens, mais il y a aussi un vrai sujet, circulation et stationnement, qu'on connaît tous. Je ne sais pas, est-ce que vous avez avancé sur ce sujet? Est-ce que vous avez une méthode, je ne sais pas, de concertation ou pas? Je crois que vous avez, en matière de centre-ville, vous avez procédé à une enquête. Voilà. Où en est-on sur ces questions de stationnement qui avaient aussi avancé par vos prédécesseurs, hein. Mme François avait diligenté une étude par un cabinet, je crois, sur la circulation. Où en êtes-vous, vous, tout simplement, là-dessus, sur cette question-là? Merci. En fait, la circulation, c'est une continuité en fait des choix qui vont être faits dans ce PLU, clairement. Donc, on a effectivement ce sujet de circulation qu'il va falloir qu'on repense peut-être certaines circulations, notamment en fonction de l'urbanisation qui est en cours actuelle, parce qu'aujourd'hui, il faut aussi qu'on travaille avec l'existant et les évolutions de court terme. Donc, aujourd'hui, quel est l'intérêt, par exemple, de laisser une rue en double sens alors qu'on sait qu'elle va s'urbaniser actuellement? Voilà. Là, on a quand même encore quelques... un tout petit peu de temps, en tout cas, pour mieux affiner, en tout cas, les évolutions de circulation dans Épinay. Le PLU peut aussi apporter d'autres réponses, et il n'y aura pas forcément que la place pour la voiture. Ce qu'on voit aujourd'hui, que la place de la voiture, il faut y repenser. Alors, il y a une cohabitation à trouver, une cohabitation intelligente entre les mobilités douces et la voiture. Et typiquement, un PLU, quand on va travailler sur le réglementaire, aujourd'hui, on peut très bien faire des OAP mobilité douce, où en fait, on va déterminer des zones de passage réservées à la mobilité douce qui nous permettront,
potentiellement d'avoir des règlements un peu spécifiques pour pouvoir retrouver des secteurs où on aura des voies apaisées pour faire du vélo ou circuler à pied. Donc voilà, donc la circulation, ça sera un élément effectivement qui va rentrer dans la réflexion de la partie réglementation et qui est effectivement un sujet important qu'on devra travailler. Maintenant, faut avoir en tête que les problèmes de stationnement et les problèmes de circulation passent aussi par un changement de comportement de nous collectivement, puisqu'on a tous aussi notre voiture. On voit aujourd'hui que la place de la voiture a une trop grande importance et qu'à un moment, il va falloir qu'on trouve de nouveaux moyens. Et c'est aussi l'intérêt de ce PLU. C'est en gros le dernier kilomètre. Est-ce qu'aujourd'hui, faire le dernier kilomètre, faut le faire en voiture, individuellement, ou est-ce qu'il faut prendre des moyens type le vélo ou à pied? Ben voilà, c'est des vraies questions de société aujourd'hui qu'il faut se poser et qui sont totalement contre-partisanes aujourd'hui. Hein. Je pense qu'on est tous assez d'accord là-dessus. Ben, le dernier kilomètre, c'est certainement à trouver d'autres moyens que la voiture. Voilà. Et comme Épinay n'est pas non plus une ville très dense et très étalée, ben, le dernier kilomètre, c'est presque tout Épinay aujourd'hui qui est dans ce cas de figure. Donc oui, certainement, la voiture, on en a besoin pour des distances un peu plus longues. Maintenant, dans le centre-ville, tout ça, il faut se poser des vraies questions, de savoir est-ce qu'il faut réserver autant de places pour la voiture et maintenant, comment on trouve les meilleurs moyens pour articuler et faire cohabiter les deux. Enfin, je voudrais reprendre votre remarque positive sur des axes de PADD qui font consensus. En effet, si les axes qui sont proposés semblent consensuels, ils sont pour autant très importants et indispensables à devenir autre chose qu'un peu du rêve ou de bonnes intentions. Je voulais le souligner parce que c'est ma délégation et au quotidien, c'est difficile à tenir. On l'a vu récemment sur la question de la conservation des arbres. On le verra sur la mobilité, on le voit sur tous les sujets, et notamment sur la qualité des habitations dont les permis de construire nous sont soumis. Donc tous ces éléments-là sont, certes pour être consensuels, sont à la fois très ambitieux et sont indispensables, j'insiste bien là-dessus, à tenir. Donc c'est pour ça qu'ils sont là et ça doit être notre mantra pour la durée du PLU. Merci à tous les deux. On poursuit ce débat. Monsieur Blottière, allez-y, on vous écoute. C'était intéressant, donc j'ai encore noté des petites choses. Merci pour toutes vos réponses. Alors, l'axe 4, une ville solidaire. J'ai noté quelque chose. Définir des espaces réservés pour l'implantation d'un nouveau groupe scolaire. Monsieur Walter nous en a parlé. C'est très bien, évidemment. Augmentation de la population, donc il va falloir. Et d'un équipement culturel, théâtre, salle de concert. Alors, qu'est-ce que vous avez un projet en la matière? C'est plus. Voilà. En fait, aujourd'hui, par analogie avec d'autres communes de même strate que Épinay, des communes entre qui vont arriver en 2030 dans les 15 000 habitants, aujourd'hui, ça reste un standard d'avoir une petite salle de théâtre ou une petite salle de concert. Alors aujourd'hui, on ne sait pas si on va le faire ou pas le faire. En tout cas, en termes de réglementation, il peut être intéressant, en tout cas, de faire des espaces réservés ou de le prévoir dans une zone. Voilà, c'est aussi une vision quand même sur du long terme. Hein. Il faut avoir ces visions de long terme. Voilà, dès lors qu'on réserve des zones, par exemple, si on avait réservé une zone pour le groupe scolaire, on n'aurait pas forcément toutes ces questions qu'on se pose aujourd'hui. Bah là, c'est la même façon. On se dit potentiellement, on peut imaginer qu'en 2030, on aura besoin d'un théâtre. Mettons-le dans le PLU. Voilà. En tout cas, ça n'obère pas l'avenir d'Épinay. Et puis la salle Pompidou est plus que vieillissante. Oui, puis comme dit Muriel, aujourd'hui, on voit les limites d'exercice avec Pompidou. Hein. C'est-à-dire que quand vous voulez faire un spectacle avec un minimum de tribunes, ça reste quand même compliqué et on voit que la qualité d'accueil n'est pas forcément suffisante. Et surtout, Pompidou est quand même largement utilisé. La preuve, c'est que souvent, on est obligé de trouver des salles de réunion un peu partout parce que Pompidou est pris. Conseil ici, puisqu'à Pompidou, il n'est pas de Oui. Je répète ce que dit Muriel. Le conseil, on fait la giquinière parce que Pompidou est pris, par exemple. Donc voilà. Donc on sait que c'est un équipement à venir qui n'est pas ce gros nu, en tout cas pour une commune de la taille d'Épinay. Oui, on parle de culture, bonsoir.
Non, juste pour compléter, c'est vrai qu'il peut être intéressant de se poser la question d'un véritable équipement culturel sur la commune. Aujourd'hui, on a la salle des fêtes, mais qui est plus une salle polyvalente bien équipée pour y faire des choses culturelles, mais qui n'est pas un véritable équipement scénique. On va avoir un auditorium, mais dont on sait déjà qu'il ne permettra pas de répondre à nos besoins, surtout avec ces projections-là, avec une commune de cette taille-là. Donc, et voilà, on manque d'équipement. Donc, voilà, c'est toujours intéressant de se laisser cette porte ouverte pour pouvoir bénéficier d'un véritable équipement qui permet d'accueillir des spectacles dans les meilleures conditions. On a beaucoup de difficultés. Hein. Nous, on essaie de porter une politique culturelle avec une programmation. Voilà, on est un peu ambitieux sur le sujet. C'est difficile, et pour échanger avec beaucoup de spinoliens, d'essayer de les faire revenir à la salle des fêtes. Tout simplement parce que ce n'est pas adapté toujours à l'accueil de spectacles tels qu'on a l'habitude et on aimerait les voir. Voilà. D'autres interventions? Monsieur Blottière, je sens que voilà. Merci. Mais non, enfin, je suis sûr qu'on va en discuter, ça va être intéressant. Cette histoire de salle de spectacle. Non, mais. Oui, c'est pas ça, non, mais voilà, bon, on en reparlera. Parce que quand on voit, il existe autour de, dans des villes comme à Morsan, il y a un théâtre qui est un très joli théâtre, il y a Ludion à Villemoisson, il sera intéressant. Quand vous y viendrez, parce que je pense qu'il y a d'autres priorités à Épinay, celle de M. Walter, la mairie, qu'on va peut-être reparler tout à l'heure, etc., qu'un théâtre. C'est marqué, il y a ça dans l'air, ça empêche personne d'aller se renseigner, qu'est-ce qu'on peut faire, exactement, oui, non, dans quelles conditions, voilà. Merci. Merci pour ces interventions. D'autres remarques, Olivier ? Oui, alors juste un complément, c'est-à-dire que là, la phase réglementaire va donc commencer bientôt. C'est aussi une phase importante en termes de concertation. Donc on invite franchement tous les spinoliens qui souhaitent échanger, se renseigner, apporter des éléments ou leurs intentions aussi. Hein. Chacun est libre d'exprimer toute son envie, en tout cas, de découvrir et de faire le Épinay de demain. La concertation a déjà commencé depuis quelques mois. Elle continue et c'est clairement dans cette période où elle doit être la plus dense. Donc on invite naturellement tous les spinoliens à venir s'exprimer sur ce futur PLU. Alors pour l'instant, ça se fait de façon dans le fil de l'eau. Mais après, il y aura vraiment une période d'enquête publique. Hein. Donc il y aura un commissaire enquêteur qui sera présent. Et là, on reste dans une concertation cadrée. Mais au-delà de cette concertation cadrée et réglementaire, je rappelle qu'il est absolument nécessaire et important que chaque spinolien vienne s'exprimer sur comment il souhaite voir Épinay dans les années à venir. Bien. Adrien Futol ou Mélanie Dorlancourt, je ne sais pas. Adrien Futol. Alors, moi, je voulais juste un petit complément d'information. En effet, je rejoins Olivier Marchaud sur l'enquête publique. Je voulais juste savoir si vous alliez aller au-delà, justement, de cette enquête publique, parce qu'elle se fait via un registre par le commissaire enquêteur qui tient une permanence. D'ailleurs, il y aura de la publicité normalement faite pour cette permanence. Et je voulais savoir si vous alliez mettre en place une sorte de débat public, organiser des réunions publiques un peu extérieures à cette procédure, pour aussi sensibiliser les gens à l'importance qu'est le PLU, parce qu'il faut le rappeler, je pense que c'est votre dernière modification possible. Ensuite, après, la compétence va rebasculer à l'EPT qui va, je pense, le PLU risque de se faire englober à terme, un petit peu comme toutes les villes alentour. Donc je pense qu'on est à peu près dans les dernières modifications possibles, enfin du moins de votre compétence. Attends, vous remettez votre micro parce que... Ah bon, vous avez fini. Vous parlez d'un PLUI ? Exactement. Non, les 27 communes de l'agglomération de Paris-Saclay ont voté contre. Donc, ce n'est même pas dans les tuyaux. C'est inenvisageable à court et moyen terme. Oui, dans 30 ans, 40 ans, 50 ans. Olivier, tu veux intervenir ? Oui, juste pour compléter sur la concertation. Hein, donc, il y aura effectivement des réunions publiques sur le PLU. Il est éventuellement prévu aussi d'avoir des ateliers participatifs. Hein. Donc voilà, il y a quand même toute une démarche d'accompagnement hors cadre enquête publique. Hein. Mais voilà, on va essayer d'accompagner en tout cas le débat public dans les prochaines semaines. Voilà. Et je compte sur vous deux pour nous aider à animer
ces concertations publiques avec les Spinoliens. Alors, on rigole pas, on dit oui. Vous quatre, si vous voulez. Enfin, Sébastien et Adrien, vous êtes les plus... Alors, si c'est pour participer à l'animation, mais en même temps avoir participé en amont à la réflexion réglementaire, éventuellement. Mais si c'est pour juste essuyer les plâtres, ça va être plus compliqué. Alors, je ne sais pas ce que vous entendez par essuyer les plâtres. Nous, on n'essuie pas de plâtres. Hein. On discute avec des spinoliens qui sont plus ou moins d'accord avec ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent. Pas forcément sachant, toujours très inquiets. Toujours aussi très investi aussi. Moi, j'invite tous les élus autour de la table qui ont envie de s'investir sur ce projet majeur pour notre commune. Je disais ça sans malice, c'était vraiment à prendre au premier degré. En plus, c'est pas comme si c'était pas votre métier. Voilà, donc c'est vrai qu'à plusieurs, on a toujours, à plusieurs voix, on peut porter les informations utiles et nécessaires auprès de nos concitoyens. Voilà, je disais ça absolument sans malice et c'était une vraie proposition sérieuse. Effectivement, il y aura des réunions publiques, je ne sais pas combien et je ne sais pas à quel rythme, mais voilà, autant que nécessaire. Bien, s'il n'y a plus d'intervention, je mets aux voix. Ah si, ah, Monsieur Blottiero, pardon. Oui, je ne sais pas. Vous avez l'air déçu. Non, c'est pas... Sur la ZAE, dans la Croix-Ronde, la fameuse Croix-Ronde, vous ouvrez un axe pour une requalification, hein, c'est ça ? Enfin, ce que je comprends. Où c'est que vous en êtes, là, sur une requalification pour un terrain agricole, pour que ça soit une zone maraîchère, c'est ça ? Parce que je vois, elle y a encore, la ZAE, donc. Parce que moi, enfin, voilà... A priori, j'aurais plutôt compris qu'on supprimait cette ZAE. A priori, si vous la maintenez, vous voulez surtout essayer de la transformer, c'est ça ? Et où en êtes-vous sur, finalement, sur la négociation, je pense avec GPA, hein, là-dessus, sur ce sujet ? Parce que c'est effectivement une attente des Spinoliens, et voilà. Merci. Avant de laisser la parole à Sylvie, il y a un point important, en tout cas, qu'il faut avoir en tête, notamment dans la partie réglementation, c'est que la ZAC... à une durée de vie administrative. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on va arrêter la ZAC physiquement et opérationnellement qu'administrativement, elle est arrêtée. Donc aujourd'hui, dans les temporalités, vu que le PLU va sortir avant la fin administrative de la ZAC, on est obligé en fait de réintégrer la terminologie de ZAC dans notre PLU. Donc voilà, donc ça, c'est un point comme important au départ. C'est pas parce qu'il y a marqué ZAC que notre intention est de perdurer la ZAC dans son format. Et voilà, donc ça, je pense que c'est un point important. Et pour la partie ZAE, je vais laisser Sylvie, si vous... Oui, tout à fait. La remarque d'Olivier vaut pour la partie ZAC et aussi la partie programme, puisque la partie activité économique, en effet, il est vraiment... Enfin, on travaille ardemment pour y mettre fin, très clairement, et transposer la programmation économique en une autre forme de développement économique qui est le maraîchage. Pour lequel on a déjà eu l'occasion d'en parler, obtenu une subvention dans le cadre d'un fonds friche qui nous permet de financer un peu une partie du foncier. Voilà, mais aujourd'hui, ça en est là sans développement plus avancé en termes de porteurs de projets ou de programmes de maraîchage précis. Mais naturellement, dès qu'on aura des informations concrètes, on vous les partagera. D'autres interventions ? Alors, on délibère sur le fait qu'on a débattu ou on prend acte. On a débattu. Après avoir débattu, on prend acte. Donc, il n'y a pas de vote, hein, si on prend acte. Alors, on va faire autrement. On va délibérer sur le fait qu'on a pris acte. Est-ce que... Ça, c'est comme le robe. Qui est contre ou qui s'abstient sur le fait qu'on ait délibéré sur le PADD ? Qu'on ait débattu, oui. Merci. Bon, donc tout le monde est pour, j'imagine. Non, mais j'ai dit contre ou s'abstient. Donc on a débattu. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ces échanges intéressants et constructifs. On poursuit l'ordre du jour du Conseil municipal par les
par 3 délibérations concernant les finances. Et je donne la parole à Laurence Castin. Bonjour. Donc, la délibération numéro 2 concerne le soutien à l'investissement communal voirie entre la commune d'Épinay-sur-Orge et l'agglomération Paris-Saclay. Donc, la communauté d'agglomération Paris-Saclay dispose d'une compétence optionnelle en matière de voirie et de parcs de stationnement d'intérêt communautaire. Afin de ne pas impacter et devoir baisser le montant de l'attribution de compensation que Épinay perçoit, nous avons fait le choix, la commune a fait le choix en 2017 de ne pas transférer notre voirie et de garder à notre charge cette compétence. Une enveloppe globale de 1 320 800 000 euros a été déterminée par la commune. Elle est calculée sur la moyenne des investissements réalisés entre 2018 et 2020. Le pacte fiscal et financier de solidarité qui a été adopté en Conseil communautaire en juin 2021 pour la période 2022-2027 prévoit donc la mise en place d'un soutien à l'investissement voirie versée en fonction de l'enveloppe allouée, parce que donc nous, ce n'est pas la communauté d'agglomération qui gère nos voiries, nous les gérons nous-mêmes, mais en contrepartie, nous recevons donc ce soutien à l'investissement. Donc la commune est éligible au dispositif et on souhaite bénéficier de l'aide financière donc au titre de ce CIV pour la réalisation des travaux affectés à cette compétence. Donc, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, nous devons conclure une convention de fonds de concours pour fixer les conditions et modalités de versement. Et donc, en pièce jointe, nous avons la convention que Madame le maire voudra bien signer si on adopte cette délibération. Merci Laurence. Donc, ce CIV servira essentiellement, enfin participera à l'effort financier qu'il faut consentir sur la reconstruction du mur de soutènement de la rue des Meuniers, qui ce sera un soutien mineur, mais apprécié malgré tout. Des questions, des remarques? Je n'en vois pas, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Voilà, on passe à la délibération numéro 3. Laurence, tu gardes la parole. Voilà, donc c'est une délibération relative à l'autorisation donnée au maire de recourir à un emprunt pour l'exercice 2022. Donc nous avions parlé de ça lors du budget primitif. Donc dans le cadre du financement des investissements et notamment l'opération relative aux travaux d'urgence de la rue des Meuniers, il est nécessaire de recourir à un emprunt et de mobiliser une enveloppe globale à hauteur de 2 500 000 euros, donc bien moindre que ce qu'on avait prévu, qu'on avait dû inscrire par prudence, hein, et finalement le coût des travaux se révèle inférieur. Après consultation auprès de divers établissements bancaires, la Banque Postale propose les meilleures conditions financières. Donc montant du contrat de prêt 2 500 000, durée 15 ans et 4 mois. Donc ce n'est pas un taux fixe, c'est un taux révisable, je n'arrivais pas à trouver le mot, un taux variable. Donc le taux d'intérêt est fixé à l'index Euribor 3 mois plus 0,55%. Voilà, par contre le mode d'amortissement est constant avec des frais de dossier à 0,07% et on a essayé de négocier au mieux des remboursements anticipés en cas de remboursement et en cas de renégociation du prêt si les taux rebaissaient et si on pouvait emprunter à un taux fixe ultérieurement. Merci. Des questions, des remarques? Sébastien Bloutière. Merci. Donc pour cette, à part une abstention dans notre groupe, on votera pour, puisqu'il s'agit, quand bien même il s'agit de l'exécution d'un budget pour lequel on n'a pas donné notre assentiment, il s'agit de la rue des Meuniers, sur lequel on n'a parfaitement rien à objecter, puisqu'il s'agit plus que d'une épine dans ce mandat. Et il faut agir vite, ce que vous avez fait, c'est une bonne chose.
Une bonne nouvelle, enfin façon de parler, une bonne nouvelle, c'est que le coût est moindre. Bon, après, le principe de prudence avait fait que lors du débat budgétaire, on avait voté pour un montant plus élevé. C'était conforme finalement à la législation en la matière. Un petit modulo sur les conditions d'octroi du prêt, mais on en a beaucoup discuté lors de la réunion. Dommage que c'est pas une remarque à votre attention, hein, mais dommage que dans un contexte aussi incertain en matière de taux et de financement bancaire, on soit sur un taux variable. Avec cette crise inflationniste, les économistes ont peur d'une augmentation du taux de la BCE, ce qui n'est pas encore le cas. Si ça vient, ça pourra potentiellement faire un peu mal à la commune. Bon, mais les choses étant ce qu'elles sont, par rapport aux relations que vous avez eues avec les banques, nous en sommes assurés, on en a pris acte. Voilà, donc on votera pour cette délibération. Quel est le coût final? Enfin, c'est Colas là qui a. Si vous pouvez dire deux mots sur le début des travaux, le calendrier. J'ai vu que Colas avait mis les zones de vie. On apprend plein de choses. Voilà où on est tout et combien ça coûte finalement. Voilà, quel est le calendrier? Merci, Madame le Maire. Suivant le document que j'ai sous les yeux, pour 2 500 000 euros au taux qui nous est appliqué actuellement, on aura environ 110 000 euros d'intérêt sur 15 ans et 4 mois. Voilà. Ah, me coupe la parole, vous êtes tous témoins. Bon, c'est quand même ce qui a été négocié, enfin c'est quand même le prêt le plus avantageux. Une banque nous avait proposé un taux fixe, une seule banque, qui était à 1,55, donc 1% de plus que celui-ci, et les autres banques étaient tout au-dessus. C'est vraiment là, avec la Banque Postale, sur 15 ans, oui, parce que des banques nous proposaient 25 ans, enfin des durées interminables, enfin bon, voilà. C'est vraiment la meilleure négociation qu'on pouvait faire. Voilà, je te laisse la rue des Meuniers. Super. Alors, la rue des Meuniers, comment dire? J'ai réussi à obtenir aujourd'hui une réponse définitive de l'expert judiciaire qui donne son feu vert à l'entreprise Colas pour intervenir. Alors oui, la préparation du chantier fait qu'ils sont présents, pas présents, enfin c'est pas spectaculaire, il n'y a pas forcément... des pelleteuses qui vont arriver tout de suite dans cette rue. Mais le go de départ des travaux est donné. Je l'ai reçu par mail. J'en ai la confirmation écrite aujourd'hui par mail. Le prix, le coût reste estimatif. Et le bureau d'études, le maître d'œuvre qui nous accompagne, a souhaité travailler sur un bordereau de prix. Alors, je ne vous dis pas la longueur et le détail du bordereau de prix qui est un document très épais et très complexe. Et en fait, l'idée, c'est de faire intervenir Colas sur des prix unitaires pour qu'on paye le minimum de ce qu'on doit payer. Pardon. À l'heure actuelle, la fourchette, l'estimation moyenne du coût qui était estimé entre 2 et 3 millions d'euros, est redescendu à 1,8 million d'euros pour le moment. Et c'est évidemment, comme vous le savez, quand on parle de travaux, c'est sous réserve de divers et imprévus qu'on ne maîtrise pas du tout, ni sur ce chantier, ni sur aucun autre. Que dire d'autre sur cette rue des Meuniers? Tout le monde est très pressé que les travaux démarrent, les riverains comme nous d'ailleurs. Ça occupe la direction générale à mi-temps, 70%, 80%, 100% selon les jours. C'est bien pour ça qu'effectivement, il y a certaines choses qui prennent du retard, puisqu'elles ne peuvent pas se couper en deux. C'est une opération donc, qui débute ce mois-ci et qui devrait perdurer à peu près jusqu'à janvier 2023. Est-ce que j'ai répondu? Pardon? Non, plus tard. Non. Est-ce que j'ai répondu à votre question?
Donc, s'il n'y a pas d'autres interventions, je mets au vote. Brice, tu veux intervenir ? Oui. Juste une précision sur le montant, parce que c'est... Alors, c'est donc 1,8 million, on est bien d'accord. En fait, toutes les études ne sont pas terminées, donc le montant, il est calculé aujourd'hui. Alors, il y aura, comme dit Muriel, peut-être des imprévus, comme dans tout chantier, mais surtout, là, c'est susceptible encore d'évoluer dans les jours et les semaines qui viennent, puisque toutes les études ne sont pas terminées, toutes les modalités de mise en œuvre ne sont pas à 100% déterminées. Donc, il y a encore une incertitude sur le coût des travaux. Voilà, c'est juste... Je mets au vote. On est parti d'où ? Ah oui, de l'emprunt. Donc je mets au vote. Non, je ne mets pas au vote. Alors, allez-y. Et après, on passe au... Il est capé. Je réfléchis en même temps. Le contrat de prêt, est-ce qu'il est capé le taux ? C'est d'ailleurs, en fait, il n'est pas... C'est quand même. Je réaffirme au nom de mon groupe. Moi, je compte voter pour cette délibération parce que c'est un sujet important qui ne doit pas faire débat. Je suis inquiet avec le contrat, mais bon, on en a beaucoup parlé en réunion. Voilà. Hein, donc c'est tout. Je le répète en mon nom de ce risque sur cette telle incertitude. Après, s'il est renégociable, je ne sais pas. Il pourra être rachetable. On verra. Voilà. Simplement, je réaffirme la nuance dans mon vote, qui est un vote oui, mais bon, on n'a pas entre les deux. Voilà, merci. Je rappelle juste qu'on a une rue des Meuniers à 1,8 million, une école à 8 millions d'euros, une mairie à plusieurs millions d'euros à réhabiliter, des voiries à plusieurs millions d'euros. Donc il y a un moment, il faut qu'on emprunte. Je comprends bien votre crainte et je vais te laisser répondre, mais je crois que tu as déjà répondu sur ce point. Il y a un moment... Il faut trouver des solutions financières. Il n'est pas capé. Je vais un petit peu expliquer ça pour les spinoliens qui nous écoutent. Il n'y a pas de taux maximum. Quand on est un particulier, qu'on sollicite un emprunt à taux variable, il y a un maximum que la loi... Enfin, disons que la loi protège le particulier, elle ne protège pas la collectivité. Donc là, ce taux Euribor à 3 mois est évalué chaque année, chaque 12 mois. Donc on verra quel sera cet Euribor 3 mois. Et donc c'est ce qui permettra de faire varier à la hausse ou à la baisse. Mais on n'a pas de seuil maximum. Mais on a la possibilité de passer sur un taux fixe. Et voilà, après c'est la possibilité de négociation. Après, il faut que la banque accepte de nous faire une renégociation, mais là, non. Il n'y a pas de maximum écrit dans la loi. Vous êtes sûr ? On a tout dit sur cet emprunt. Mais si. Mais c'est parce qu'il y a encore d'autres délibes derrière. Vous aurez d'autres choses à dire après. Juste vraiment une toute petite chose. C'est vraiment pas le principe de l'emprunt et donc de l'investissement. Hein. C'est le régime appliqué à ce prêt. Voilà, c'est tout. Mon inquiétude est vraiment que là. Pas sur la rue des Meuniers. Évidemment, j'irai pas dire faut rien faire, etc. Ça serait une folie de dire ça. Voilà. Donc c'est vraiment sur les éventuels impacts en termes de charges financières pour la commune. Mais le principe de l'investissement dans le mois de là. Surtout qu'à la fin du conseil, vous allez me demander comment je finance les travaux pour la mairie dans laquelle il pleut. Alors, je mets aux voix tout de suite avant que quelqu'un change d'avis, qui vote contre, qui s'abstient, une abstention. Donc une unanimité. Et qui vote pour, à l'unanimité, merci. De quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Quel est le monsieur Le Gouge qui s'abstient ? Pascal ou Maurice ? Maurice Le Gouge s'abstient. Corinne Berra, c'est là le pouvoir de Maurice. C'est plus facile pour le... On passe à la délibération numéro 4 qui concerne la révision de l'attribution de compensation de la CLECT. Laurence, je te redonne la parole. Oui, donc là, c'est une délibération relative à l'attribution de compensation de la CLECT, qui est donc la commission locale d'évaluation des transferts de charges.
Nous ne sommes pas tout à fait concernés parce que les décisions prises lors de cette commission concernent d'autres communes qu'Épinay-sur-Orge. Mais donc Ballainvilliers, Chilly, Lina et Villebon-sur-Yvette, mais chaque commune est tenue de voter toute délibération, toute décision prise par cette commission, qu'elle soit concernée directement ou pas concernée. Voilà. Donc voilà. Donc vous avez vu sans doute en feuilletant ce document. Donc ça concerne le conservatoire de Chilly, Mazarin, la piscine intercommunale du CIRM et les voiries de Villebon, de Ballainvilliers et les eaux pluviales à Linas. Voilà. Merci Laurence. Des questions, des remarques? Vous n'avez pas de remarques? Allez, je suis sûre que vous en avez une. Non? Bon, alors je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. La délibération numéro 5 concerne la modification du tableau des effectifs, comme à chaque conseil municipal. Il s'agit de prendre en compte par cette délibération 25 avancements de grade et 8 promotions internes, sous réserve bien évidemment que les dossiers soient acceptés par le centre de gestion. Il y a également 2 créations de grade pour un animateur référent jeunesse arrivant le 1er août et un animateur périscolaire qui sera recruté sur un contrat d'un an à la suite du contrat actuel. Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques? Des observations? Ah, voilà, je me disais bien, monsieur Blottière. L'inénarrable tableau des effectifs qui revient. Là, pour le coup, on en a parlé en réunion, mais alors, comme c'est le conseil municipal et c'est public, on est sur 25 créations de grades. On est bien sur des... vous pouvez éventuellement, poste par poste créer, grade par grade créer, nous indiquer s'il s'agit d'une promotion interne ou d'une création nette. Vous voyez? En gros, exemple, l'attaché principal, c'est une promotion interne. C'est ça. C'est donc aujourd'hui un attaché qui est en mairie, qui a eu par la réussite d'un... Les avancements de grade, ce sont pour des fonctionnaires qui sont présents et qui avancent en grade. D'accord. Et la promotion interne, ce sont pour des fonctionnaires qui sont en mairie et qui ont une promotion. Soit. Voilà. D'accord. Donc là, en gros, vous indiquez que s'il ne s'agit que de fonctionnaires actuellement en place. Oui, oui. D'accord. Voilà, 100%. D'accord. C'était. Oui, c'est ça. Non, mais c'est pas forcément toujours intuitif et simple en matière de ressources humaines. Voilà, merci. Bah, alors, on félicite notamment l'attaché principal, mais tous les autres qui ont ces avancements de grade. Puis je vous ai dit, il y a 2 créations de grade pour un animateur référent qui arrive au 1er août. Voilà. Donc ça, c'est une création. Voilà, voilà. J'ai peut-être été trop vite. Et un animateur qui est déjà contractuel chez nous et dont on prolonge le contrat. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. D'autres questions, d'autres remarques? Bon, alors je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Monsieur Le Gouge. Monsieur Le Gouge, Maurice s'abstient. Maurice. Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Non, délibération numéro 6, concernant une convention de partenariat. Je donne la parole à Brice Walter. Oui, c'est bon. Oui, donc on a... Alors, je ne vais pas relire toute la note de présentation. Donc nous avons... on est déjà inscrit dans... Dans le programme Acté 2, qui est un nouveau programme Session 3 qui a été lancé en novembre 2021 et pour lequel nous avons répondu à un appel à projet et sur lequel on a été retenu. Donc il s'agit d'obtenir en fait une subvention pour la réalisation de 2 missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage. Alors la première pour le remplacement donc, de la chaudière de l'hôtel de ville, qui pose régulièrement des problèmes et sur lesquels sont investis chaque année de fortes sommes pour des réparations, et donc en profiter pour étudier, pour remplacer cette chaudière par une chaudière à énergie renouvelable.
Donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage va nous aider à réaliser donc, la rédaction du dossier de consultation des entreprises, l'analyse des offres et le suivi des travaux. Il y a une deuxième mission qui est également confiée, qui va s'agir cette fois-ci de faire un audit donc, de toutes les installations de chauffage donc, des bâtiments communaux. Alors, ça va des écoles aux gymnases, c'est à peu près tout d'ailleurs, tous les bâtiments, celui-là aussi. Donc le coût total des études s'élève donc à 14 650 euros hors taxes, et donc le montant de la subvention est de 8 678 euros. Et tu voulais ajouter quelque chose par rapport à ça, Sylvie ? Rappeler que l'obtention de cette subvention s'inscrit dans le cadre des démarches entamées depuis 2020 et le fruit d'un bon partenariat avec notre agglo, la CPS, donc, qui est porteur donc, de ces appels à projets, donc, qui contacte les collectivités qui sont intéressées pour participer à ces appels à projets. Et c'est grâce à cette bonne collaboration et fluidité que finalement on se rend compte qu'on obtient assez facilement des subventions importantes pour de l'ingénierie, parce que là ce qui est proposé c'est de l'assistance, c'est de l'ingénierie, c'est du conseil pour la rénovation alors des outils de chauffe, mais ça peut être le cas aussi pour le diagnostic général d'audit énergétique de tous les bâtiments. Et cette démarche-là, elle s'inscrit dans le plan climat et dans l'axe rénovation énergétique des bâtiments de notre charte communale qui a adhéré au plan climat. Il y a également, et en complément de ce que vient de dire Sylvie, il y a justement, et ça va faire l'objet d'une question en fin de conseil, il y a également là une nouvelle sollicitation qui permettra d'avoir une assistance pour la rédaction et la constitution d'un schéma directeur justement sur les bâtiments en réalisation de plans pluriannuels d'investissement. Et donc voilà, c'est des choses, comme dit Sylvie, dans lesquelles on candidate assez régulièrement pour obtenir de l'aide et surtout des subventions. Voilà. Merci à tous les deux. D'autres remarques, d'autres questions ? Je mets au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? À l'unanimité, merci. Délibération numéro 7. Je donne la parole à Nathan Fabreau. Bonsoir à tous. La délibération numéro 7 concerne l'attribution de subventions de projets aux associations Ars Cantoria, CIM, ESO Basket 91, Spinoanime et les Amis de l'Orgue. Je ne vais pas lire non plus toute la note de présentation. Ce sont des subventions de projet. C'est la deuxième fois que nous présentons ce type de délibération au conseil municipal. Et c'est la concrétisation de notre politique associative qui vient en soutien des associations en complément des subventions de fonctionnement qui sont, elles, votées chaque année comme habituellement. Ce sont des subventions qui se font par appel à projet, qui sont analysés deux fois par an par le service vie associative. Et donc, ce soir, nous avons reçu cinq projets d'association pour lesquels nous proposons d'apporter un financement. Il y a d'abord l'association Ars Cantoria pour son concert de musique, composé de quatre chorales et d'un ensemble instrumental qui a eu un fort rayonnement, qui a eu lieu. Il y a ensuite l'association CIM pour la modernisation de ses actions, notamment autour de l'inclusion numérique, avec le passage d'ordinateurs sous Windows 11, les derniers systèmes d'exploitation, ce qui permettra aux apprenants d'être sur des outils actuels. Il y a ensuite l'association ESO Basket 91 pour un projet de développement de la pratique du basket à Épinay, avec notamment l'organisation de stages et d'un tournoi de basket mixte loisirs ouvert au public. Nous avons l'association Spinoanime pour son événement de ferme pédagogique sur l'Esplanade. Et enfin, les Amis de l'Orgue pour l'acquisition de matériel destiné à projeter en direct l'image de l'organiste sur un écran. À la suite donc de l'appel à projet lancé par la commune fin février 2022, ces associations ont déposé une demande de subvention de projet pour un montant respectif de 300 euros pour Ars Cantoria, 1 200 euros pour CIM, 2 000 euros
pour ESO Basket 91, 60 euros pour Spino à Nîmes et 780 euros pour les Amis de l'Orgue. Donc c'était leur demande initiale. Ces demandes ont été analysées lors d'un groupe de travail avec les élus présents et il est donc proposé d'attribuer les subventions suivantes à ces projets. 300 euros pour l'association Ars Cantoria, 1200 euros pour l'association CIM, 850 euros pour l'association ESO Basket 91, 60 euros pour l'association Spino à Nîmes, 780 euros pour le projet de l'association des Amis de l'Orgue. Je vais peut-être devancer une question. Enfin, c'est des échanges qu'on a eus lors de la commission. Ils se posaient la question du contrôle de ces dépenses et de leur bonne utilisation. Parce qu'il y a notamment parmi ces associations des associations qui sont nouvelles sur la commune. Et donc, vous nous avez alerté sur la vigilance qu'il faudrait peut-être avoir sur l'utilisation de ces fonds et leur bonne utilisation. Et donc, je vous confirme que c'est comme pour les subventions de fonctionnement. C'est-à-dire que chaque année, les associations présentent un projet. Pour ces demandes de subventions par projet, elles ont justifié les montants des dépenses. Donc, dans certains cas, on a octroyé le montant demandé. Pour d'autres cas, ça nous a paru trop important et pas forcément justifié. Donc ces montants vont être versés aux associations, mais par contre, nous avons un devoir de contrôle de l'utilisation de ces subventions. Donc le service vie associative contrôlera à un moment donné l'utilisation de ces fonds par des demandes de factures, par exemple. Ça peut se faire, c'est une exigence qu'on peut avoir auprès des associations. Et donc voilà, elles peuvent être à tout moment contrôlées et le cas échéant, pourrait rembourser ces montants si jamais il y avait une mauvaise utilisation de ces fonds publics. Voilà. Donc je ne prendrai pas part au vote étant membre de l'association Ars Cantoria et je ne voterai pas pour Madame Chabria non plus qui en fait partie aussi. C'est parti du bureau. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres membres? Monsieur Legouge, Maurice. Alors Maurice Legouge ne prend pas part. Christiane Martin et Al Chabria. MPPB. Voilà. D'autres interventions? Oui, Mélanie Dorlancourt. Oui, merci, Monsieur Favreau. C'était une question donc, qu'on avait étudiée ensemble lundi. Concernant la question sur le jusqu'à quand ils pouvaient réaliser leur projet, on n'y avait pas répondu non plus. Je ne sais pas si ça avait été un peu réfléchi ou pas, ou si ça va être aussi dans les propositions de cadrage, justement. Parce qu'il y a remboursement, vous avez parlé de remboursement ou autre, si ce n'était pas fait, s'il y avait contrôle. Mais est-ce qu'on leur donne un temps ou pas pour faire leur projet? Une année, par exemple, pour faire leur projet. Dans un premier temps, ça ne fait pas forcément partie des exigences qu'on a fixées. On a demandé que des événements publics aient lieu, il y a des conditions, ces conditions doivent être respectées à partir du moment où les dépenses sont faites. Donc aujourd'hui, on n'a pas fixé de date limite à partir de laquelle le projet doit être fait. Peut-être qu'en avançant, puisque c'est une démarche qui est toute nouvelle, ce sera effectivement quelque chose qu'il faudra intégrer à ces subventions qu'on donnera pour les projets. Merci. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité. Merci. Dernière délibération concernant le projet de... la modification des tarifs des séjours de juillet 2022 organisé par le service jeunesse. Le coût du séjour pour le mois de juillet a été renégocié. Alors la délibération a dû être prise avant par anticipation, et on obtient des prix plus intéressants pour les familles, et bien évidemment, on va Bref, ils vont pouvoir en profiter. Je m'en sors bien. Hein. Ils vont pouvoir en profiter grâce à cette délibération avec un coût minoré en fonction du quotient familial. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des interventions? Non. Alors, je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? À l'unanimité, merci. Et on est très content de pouvoir envoyer à nouveau des jeunes en séjour cet été.
Voilà, l'ordre du jour est épuisé pour ce qui concerne les délibérations. Je voudrais savoir s'il y a des questions par rapport aux décisions du maire. Décision signée. Vous avez des questions, Monsieur Blottier? Merci. Oui, en effet. Je voulais savoir, d'une part, le contrat de, quel était l'objet du contrat de service de, exactement, l'objet exact, pardon, du contrat de service de fourniture pour le déménagement de l'école élémentaire Paul Valéry avec la société Lagache Mobility pour un montant de 19 200 euros. Ah, tu l'as... C'est cette question. Tu veux répondre ? Vas-y. Donc dans le cadre des, alors cet été vont avoir lieu des travaux dans ces classes, enfin dans certaines classes de Paul Valéry, et du coup on a effectivement pris une société de déménagement pour effectuer le déménagement de ces classes en vue des travaux, sachant que que c'est impossible à réaliser en régie et surtout au mois de juin avec tous les événements et les voilà, ils sont pas assez nombreux, et donc on a pris un prestataire. Oui, oui, enfin, c'est-à-dire qu'ils déménagent, ils remettent. Enfin, c'est, voilà, c'est une prestation, oui, oui. De remise en état, oui. Enfin, de remise en place. Voilà, on essaye de préserver nos agents communaux, des agents techniques. On a du mal à en recruter parce qu'il y en a un peu sur le marché. Sur leur métier, la peinture, la menuiserie, la plomberie, etc., plutôt que sur le déménagement de mobilier et puis d'objets divers qui étaient entreposés dans cette école Camus. Au Paul Valéry, pardon. Non, mais il y a aussi du déménagement à Camus. J'ai répondu à votre question. D'autres questions, d'autres remarques? Allez-y. Toujours sur le... Quelque chose qui m'a un peu interpellé, c'est le contrat d'assistance et d'accompagnement dans le cadre de la gestion financière avec la société Finance Active pour un montant forfaitaire annuel de 6 000 euros. À quoi, quel était l'objet de ce A? Donc c'est pour le suivi de la dette, parce que c'était un peu un suivi, même plus qu'un suivi manuel de la dette. Donc on a pris ce contrat-là de manière à nous aider dans la gestion financière de l'ensemble de la dette de la commune et du CC, non que de la commune. Voilà, la gestion des emprunts. Parce que le logiciel informatique que nous utilisons au service financier ne gère pas les emprunts. Donc c'était une gestion à côté. Et donc ça va nous faire gagner du temps et de l'efficacité et de la justesse dans la gestion des emprunts. Adrien, tu veux... Je suis un peu perplexe, mais concrètement, cette société va agir aussi comme un courtier pour essayer éventuellement... Pas du tout, c'est une pure gestion, mais oui, alors... Oui, c'est une gestion, c'est un logiciel qui va nous permettre... Ah, attendez, c'est l'acquisition d'un logiciel. C'est un logiciel. Autant pour moi. D'accord, et vous avez... D'accord. Voilà. Parce que donc, là, le logiciel actuel ne gère pas... C'est lequel? C'est Cyril Finance, vous avez... Là, on a Berger-Levrault. D'accord. Voilà. C'est l'acquisition d'un logiciel autant... D'accord, très bien. Oui, je pensais que c'était une prestation intellectuelle, consultant qui venait... D'accord. Non, c'est d'accord, par merci. Rapport au logiciel. D'accord, merci. Ah oui, donc... Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions sur les décisions du maire, je propose qu'on passe aux questions qui ont... Ah, si. Adrien Futol. Merci. Non, c'était juste pour avoir une petite précision sur la préemption du local commercial 140 Grande Rue. C'était juste pour savoir s'il y avait un projet, enfin, quelle était votre ambition sur ce local commercial. Merci. Bon, tu compléteras alors. Alors, par rapport à ce local commercial, donc il s'agit de la boucherie du Morgard,
plusieurs choses. C'est un endroit un peu, comment dire, stratégique, ce centre commercial du Morgard. D'ailleurs, on a entendu beaucoup de fantasmes là-dessus, donc c'est bien que vous posiez la question, parce que du coup, je vais pouvoir donner quelques éléments d'information. Alors, je m'adresse au public. Alors non, ce n'est pas un lieu où les jeunes pourront s'enivrer jusqu'à je ne sais pas quelle heure du jour et de la nuit. Qu'est-ce que j'ai entendu d'autre ? Ce n'est pas une salle de shoot non plus, ce ne sera pas une mosquée. Qu'est-ce que ce ne sera pas d'autre ? Bref, l'idée, c'est d'acquérir... C'est vrai, hein, on m'a demandé ça. Même si on n'a rien contre les mosquées, hein, ni contre n'importe quel lieu de culte, d'une manière générale. On souhaite, en fait, délocaliser... Enfin, c'était une bonne opportunité, parce que ce n'était pas très onéreux, une bonne opportunité d'avoir un lieu déconcentré ou décentralisé de la commune dans ce quartier du Morgard. On en fera un espace public, ça c'est sûr. Et on aimerait y mettre, par exemple... Ce sont des exemples, hein, parce que pour l'instant, rien n'est gravé dans le marbre. Et puis surtout, la procédure n'est pas terminée. On aimerait, par exemple, y installer l'écrivaine publique, les consultations de l'avocat. On peut aussi mettre les consultations de la CRAMIF, puisque la CRAMIF m'a demandé des locaux pour pouvoir étudier les dossiers des spinoliens et autres, auxquels je ne suis absolument pas opposée, au contraire. Hein, c'est toujours bien de pouvoir avoir des permanences, et ce lieu y est tout à fait adapté. On pourra le prêter aux associations, le prêter au conseil de quartier. Enfin bref, ce sera un lieu de vie un peu différent ou parallèle à l'activité nocturne et diurne surtout. Ce sera un lieu où on pourra nous aussi s'installer, discuter, rencontrer les spinoliens. Bref, ça, on aimerait bien en faire quelque chose de très sympa. C'est pas très grand, ça fait 62 mètres carrés, c'est pas non plus immense. Et puis il faudra surtout démonter tout ce qui concerne l'activité de boucherie ou l'activité commerciale. Voilà, donc on aimerait en faire un lieu sympa. Et puis c'est surtout l'emplacement et l'opportunité qui nous a fait prendre cette décision qui n'était pas prévue au départ. Mais voilà. Tu veux ajouter quelque chose, Olivier ? Oui. C'est comme toute préemption, hein, c'est souvent à la fois un projet, mais c'est aussi une opportunité. Donc là, on a eu l'opportunité sur un projet qu'on avait déjà en tête depuis quelques temps. Donc voilà, pour compléter ce que dit Muriel, c'est vraiment un lieu de vie, un lieu de service, hein, qu'on veut créer au niveau du parking du Morgard. C'est un peu dans une stratégie un peu globale de décentrer un certain nombre de services un peu partout dans Épinay, parce que Épinay n'est pas simplement que la mairie et le centre-ville. Il faut savoir aussi apporter un peu de services un peu partout dans Épinay. Donc voilà, ça c'est une très bonne opportunité pour le faire. Et donc voilà, on le répète, hein, ce qu'on avait déjà pu en parler déjà au dernier conseil municipal, parce que ça avait déjà été le fruit d'une question. Donc voilà, donc c'est un lieu de service. Voilà. Et comme toute préemption, ça prend un certain temps. Donc la procédure est assez longue, elle est très cadrée. Donc on est dans une phase intermédiaire où la préemption n'est pas encore complètement aboutie. Donc voilà, c'est un process qui peut durer quand même quelques mois. Il n'y a pas d'autres questions ? Non, c'est très bien. Moi, je vous rejoins sur la multiplication des services apportés à la population. Et juste pour la petite idée, on pourrait peut-être, et ça va dans le sens, puisque vous voulez aider sur des formalités administratives, ça pourrait être par exemple un point d'accès au droit qui peut potentiellement gérer quelques conflits de voisinage, parce que je pense que les agents techniques le savent derrière vous, que dès qu'il y a des conflits de voisinage, on appelle la mairie en premier. Donc, on peut mettre un médiateur potentiel, quelqu'un qui peut faire de la médiation, surtout peut-être aussi aux abords du Mont-Regard. Je ne sais pas, il y a certaines problématiques là-bas aussi. Donc, c'était juste pour la petite idée. Merci. Est-ce bien raisonnable ? Monsieur Blottière, vous avez beaucoup parlé ce soir. Vous avez vu, je n'ai pas rechigné. Hein ? Allez-y. Juste, c'est vrai qu'effectivement, au dernier conseil, on en avait parlé, il a été évalué par l'évaluation des 130 000, c'est par le domaine, la DGFiP, non, qui est intervenue. Ou... Comment a été évalué le montant ? C'est les domaines, oui. Vas-y. Ah, vous aviez... Non. Le prix est toujours fixé par rapport au domaine, et après, on a une marge de plus 10% ou moins 10%. Donc voilà, donc après, c'est... On n'est même pas descendu à moins 10. Voilà, donc on a... On essaie de faire une cote mal taillée en dessous du prix des domaines, voilà, pour être entre les 10% et la valeur nominale. Voilà, donc non, c'est fixé par eux. La négociation est quand même très cadrée dès lors que c'est une collectivité territoriale qui préempte un bien privé.
Juste une petite dernière chose. On se permettra de faire notre proposition, comme mon collègue Adrien vient de le faire, après tout. C'est sur la future affectation. Après, un petit modulo, là encore, c'est peut-être un peu dommage, c'est un commerce en moins. Ouais, mais bon, enfin, voilà, dans un cadre, peut-être qu'avec le futur PLU, il faudra peut-être repenser aussi à se dire, dans le quartier X commerce, pensons essayer de, voilà, s'il peut être compensé, finalement, c'est un espace commercial en moins, soit. Mais bon, l'affectation ne nous pose pas d'autres interrogations et on donnera un avis en temps et en heure. Voilà, merci. Attends, quand on a fait le choix de présenter, justement, on s'est posé cette question-là préalablement. C'est-à-dire que si effectivement ça avait été un commerce pérenne et qui fonctionnait très bien, on n'aurait pas présenté clairement. Là, on sait que c'était un commerce où il y avait une rotation quasiment tous les ans ou tous les deux ans. Donc on voyait qu'il n'y avait pas forcément de commerce qui se fixait de façon pérenne. Pour plein de raisons qu'on ne va pas forcément vécu là. Peut-être certainement un loyer qui n'était pas adapté à l'activité économique, peut-être un lieu d'achandise qui n'était pas suffisant, en tout cas, compte tenu qu'il y a Carrefour Market qui fait aussi de la boucherie sur le côté. Voilà. Donc voilà, donc il y avait quand même un côté commercial qui n'était pas forcément le plus pertinent. Donc voilà, donc commercialement, il n'y avait pas d'intérêt aujourd'hui, donc c'est pour ça qu'on a préempté. On ne va pas préempter tous les commerces épinés. Il y en a certains qui ont quand même vocation à vivre de leur belle vie de commerce et on va les accompagner. Et à ce titre-là, je rappelle juste qu'on a intégré un dispositif qui s'appelle l'ORT, qui nous permet aussi de nous donner des outils pour dynamiser le commerce dans Épinay. C'est important le commerce. Oui, d'ailleurs, vous aura pas échappé qu'un commerce s'est ouvert dans la grande rue, alors pas au Mauregard, en lieu et place de l'ancienne menuiserie qui était fermée et depuis des années. Et je pense qu'il y avait encore pas mal de sûrs, c'est-à-dire que c'était parti un petit peu rapidement. Donc là, maintenant, il y a un commerce, souhaitons-lui longue vie, hein, puisque c'est quand même courageux de rouvrir un commerce à partir de rien et pas reprendre un existant. Voilà. Ouvert au-delà de 23 heures. C'est vrai. Les questions. Bon. Bien, s'il n'y a pas d'autres interventions, on va passer aux questions. Madame d'Orlancourt, vous avez une question à poser, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez la lire ? Madame le maire, deux associations patriotiques s'interrogent pour savoir où sont rangés leurs drapeaux confiés aux bons soins de la mairie. Que sont-ils devenus ? Le premier drapeau est celui de l'Association des anciens combattants et prisonniers de guerre qui a été remis voilà quelques années à Monsieur le maire et qui était comme convenu exposé depuis dans la salle des mariages. Or, les anciens combattants et prisonniers de guerre ont constaté depuis quelques mois que leur drapeau n'est plus exposé et aucune information sur le sujet ne leur a été adressée. Le second drapeau est celui du comité du souvenir du général de Gaulle. Ce drapeau vous a été remis à vous personnellement. Lors d'une assemblée générale du comité, les membres du comité souhaitaient que ce drapeau soit exposé lui aussi dans la salle des mariages. Or, il n'a jamais été exposé. Les membres du comité se demandent donc ce qu'il est devenu. Aucune information ne leur a été donnée. Nous estimons, avec les anciens combattants et prisonniers de guerre et les comités du membre du souvenir du général de Gaulle, que ces drapeaux doivent être exposés dans la salle des mariages, lorsqu'ils ne sont pas présents au monument aux morts pour une cérémonie. En les exposant au regard des citoyens qui fréquentent cette salle, c'est une manière de témoigner notre estime et de rendre honneur à tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont combattu et aux symboles qu'ils représentent. Pour ces motifs, Madame le maire, nous vous demandons solennellement de sortir ces drapeaux des lieux où ils sont rangés et de bien vouloir les exposer au public dans la salle des mariages pour marquer l'expression de l'unité de la nation rassemblée au-delà des choix partisans. Alors, plusieurs choses. Je n'ai absolument pas été saisie par les associations d'anciens combattants. Deuxième chose, je ne vois pas ce qu'il y a de partisans dans la protection de deux drapeaux. Un qui était exposé dans un lieu poussiéreux et en plein soleil, donc qui est en train de s'abîmer dans l'endroit où il était. Donc, il y en a un que j'ai gardé bien précieusement, qui m'a été remis cet hiver, effectivement. L'autre, je l'ai rangé dans un endroit à l'abri de la lumière.
Ils sont rangés à l'abri de la lumière, mais pas des regards. Si vous les souhaitez, si vous voulez les prendre, ils sont, enfin, si quiconque me les demande, ils sont à la disposition, bien évidemment. Et d'autre part, on attend de trouver un lieu approprié pour les mettre en valeur, effectivement. Et puis la salle des mariages est fermée au public en permanence, sauf pour les mariages. Et il y a des mariages uniquement le samedi. Et les gens qui viennent dans la salle des mariages viennent pour des mariages. Voilà. Donc on va leur trouver un endroit un peu plus approprié. Ouais, et pour compléter, tu en as parlé. Je pose juste la question qui n'appelle pas forcément de réponse, mais pourquoi cette question se pose ce soir en conseil municipal ? Et pourquoi elle n'a pas été posée directement aux élus ou alors au cabinet du maire? Voilà, on est toujours très proche des anciens combattants. On essaie d'avoir une relation constructive avec eux. On a travaillé sur le déroulé des commémorations et ça me surprend que cette question soit posée ce soir alors qu'on a normalement une... Alors, je comprends, il y a une portée symbolique dans la question, mais pourquoi on n'a pas pu en parler avant? Parce que justement, il y a un vrai travail à faire avec eux sur la valorisation de ces drapeaux. Tout simplement, c'est qu'on nous l'a demandé. C'est remonté. Voilà, tout simplement, c'est comme souvent nos questions qui viennent de. C'est une pure remontée d'associations patriotiques locales qui nous ont posé cette question. Voilà, c'est aussi bête que ça. Voilà. Alors, vous leur direz. Point de suspension. Voilà, donc ça, c'était pour la première question. Monsieur Blottière, vous avez une question. Alors attendez. Oh, oui, c'est une question hyper importante. Madame le maire, suite à un épisode de pluie exceptionnel, la mairie a subi des inondations très importantes. Vous avez d'ailleurs à titre personnel communiqué sur le sujet, communication à laquelle nous avions répondu par la suite. Pour notre groupe, et j'insiste là-dessus, il va de soi que les agents de la mairie doivent travailler dans de bonnes conditions. Matériel, il en va de l'intérêt de tous, il en va du bon fonctionnement des services publics et de la qualité de service qu'on rend aux spinoliens. Donc avoir une condition de travail idéale, c'est nécessaire, important. Dans ce contexte, et s'agissant donc particulièrement de la mairie, avez-vous entrepris des démarches auprès de professionnels de l'isolation, fenêtres, toitures et éventuellement isolation du bâtiment, sachant que vous aviez diligenté une étude par un cabinet d'audit auquel nous avons participé. Avez-vous procédé à une éventuelle mise en concurrence? Si oui, quelles entreprises ont répondu? Pourriez-vous communiquer au conseil municipal le coût de ces travaux ainsi que leur plan de financement? Et je compte ajouter une chose pour éviter toute polémique inutile sur le sujet, c'est-à-dire chercher toujours qui est le responsable de quoi et finalement on n'avance pas ainsi. Le groupe Épinay Demain se propose de participer à un éventuel groupe de travail, ce qui permettra d'informer à minima, donc en toute transparence, les élus de notre liste, mais aussi plus largement les spinoliens, qui pourraient être utilement informés à échéance régulière des décisions prises en la matière. Plus largement et dans le même esprit, nous pourrions créer une commission exceptionnelle en application du règlement intérieur, en charge de travailler sur l'état du patrimoine bâti à Épinay, et des éventuels travaux à engager. Voilà, je vous remercie. Alors, il y a plusieurs questions dans la question. Alors, je vais déjà répondre techniquement sur ce qui est demandé, sur les éléments de chiffrage. Alors, non, vous l'avez souligné, on a fait faire un audit énergétique. À notre arrivée, on s'est appuyé sur des devis qui avaient été faits par l'ancienne majorité, mais qui datent. Donc pour un montant de mémoire, ça concernait l'ensemble, la rénovation de la toiture, les menuiseries, l'isolation. De mémoire, c'était dans les 1,7 million. Alors, je n'ai jamais vu le document. Donc, au-delà de cet audit et des éléments qu'on a pu avoir, en tout cas oralement, il n'y a pas plus. Enfin, en tout cas, à aujourd'hui, il n'y a pas de devis qui ont été réalisés. Voilà. Pour éviter toute polémique inutile, alors il ne s'agit pas évidemment de faire de polémique. On va pas trahir de secret en disant qu'on s'est vu
qu'on s'est vu à la, notamment à la fête de la musique, qu'on en a discuté. Je suis évidemment favorable et à ce qu'on travaille ensemble sur le patrimoine de la ville et pas seulement comme c'est écrit, enfin comme ce qui est proposé, pas seulement sur la mairie, mais sur l'ensemble du patrimoine de notre ville, puisque aujourd'hui encore une fois, on ne fait pas de polémique. On a un patrimoine qui est vieillissant, qui a été entretenu ou pas. Enfin, il ne s'agit pas de savoir ce qui a été fait ou pas. En tout cas, il faut effectivement qu'on réfléchisse ensemble à une projection sur les, je pense, 10-15 années qui vont arriver et prévoir un vrai plan d'investissement et un vrai schéma directeur. Donc oui, il y aura une... Alors, c'est là où je n'ai pas eu le temps de voir avec la direction. Je pense pas qu'on pourra faire une commission, même si le règlement intérieur le permet. Pourquoi ? Parce que, on pourrait éventuellement changer la forme, mais moi je souhaite qu'on travaille au-delà des élus et qu'on y intègre également d'autres spinoliens à cette réflexion. Alors des spinoliens avertis, des spinoliens engagés, qu'on déterminera ensemble. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on coanime en fait ce groupe de travail, on va l'appeler comme ça dans un premier temps, on verra si on le transforme en commission. Donc oui, avec la possibilité de pouvoir informer assez régulièrement, alors soit via l'école municipale ou d'autres publications, de l'avancée de ces travaux. Et donc voilà, donc moi ce que je vous propose, c'est qu'on coanime encore une fois cette commission, qu'on la démarre à partir de la rentrée donc de septembre. Alors j'en ai évidemment déjà parler aux services techniques, ils sont les premiers concernés. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, ils sont plus que débordés, aussi par manque d'effectifs, mais donc il y a une forte pression sur les services techniques. Donc ça va pouvoir aussi... Le but de cette commission, c'est aussi de donner un coup de main, de décharger un peu de travail, parce que si on demande aux services techniques de faire tout cet état des lieux, provoquer les chiffrages, réfléchir sur les priorités, etc., ça va leur prendre beaucoup de temps, donc on va les décharger de ça. Il faudra juste qu'on cadre bien, et alors j'ai déjà quelques bases de travail, qu'on cadre bien cette commission donc, pour qu'elle soit efficace et qu'elle permette donc d'aboutir à ce schéma directeur. La chance, c'est comme on disait tout à l'heure, c'est qu'on va pouvoir être aidé aussi par... j'espère par une subvention qu'on va obtenir et une aide extérieure donc de la d'un cabinet via la CPS et j'en profite un service pardon de la CPS et au-delà alors puisqu'on en est dans les commissions et la possibilité de faire intervenir aussi enfin vous faire intervenir et travailler aussi plus largement on parlera également ensemble d'une commission ou d'un groupe de travail voirie pour lequel j'aimerais aussi qu'on puisse intégrer des spinoliens sur un état des lieux des voiries. Donc c'est plus de 30, Muriel a le chiffre, c'est plus de 31 km donc sur la commune. Et que évidemment pour les mêmes raisons, si on demande à la direction des services techniques ou même à un agent de faire le tour, il en a pour pas mal de temps. Donc voir dans quelle mesure on peut intégrer des spinoliens à cet état des lieux. Alors on a préparé nous des fiches par rue, par quartier, et après voir si on travaille des conseils du quartier, voir avec vous, avec d'autres. Enfin voilà, donc il y aura en réalité à la rentrée, moi je souhaite qu'on mette en place deux groupes de travail, donc un sur le patrimoine, qui me paraît déjà la priorité, et également sur la voirie, qui aussi devra faire l'objet d'un plan sur plusieurs années et définir des priorités. Et là, je pense que les conseils de quartier peuvent avoir une pertinence, parce que c'est par quartier, on peut déterminer quelles sont les priorités, et c'est des gens qui utilisent au quotidien. Donc voilà, donc moi je reviens vers vous, on peut en parler juste après. En tout cas, l'objectif, c'est de laisser passer l'été et qu'on détermine ensemble, enfin, rien n'est arrêté aujourd'hui, voir un peu comment aussi vous voyez le truc. Mais bon, en tout cas, moi, ouais, je ne souhaite pas qu'on le fasse que tous les deux ou tous les qu'entre élus, je souhaite vraiment qu'on élargisse. Et aussi l'avantage, enfin, moi aussi l'intérêt que j'y vois, parce que, alors j'ai aucune, on en a déjà parlé, hein, moi j'ai aucun problème à ce qu'on travaille ensemble, et en plus l'intérêt c'est que vous pouvez aussi, vous, de votre côté, pouvoir récupérer des infos que nous on n'aurait pas eu forcément en transmission, parce qu'il y a déjà des choses qui ont été imaginées, des choses qui ont été pensées, des choses qui ont été envisagées sur des travaux, et il y a des gens dont vous... Enfin, que vous fréquentez, en tout cas plus que moi, qui peuvent vous apporter aussi des éléments, quoi. Mais voilà, donc c'est aussi l'intérêt, c'est que
on fasse fi de toute effectivement polémique, savoir qui a fait quoi, pourquoi on n'a pas fait ci, pourquoi on n'a pas fait ça. C'est vraiment qu'on fasse un état des lieux, qu'on recueille toutes les informations qu'on peut recueillir et qu'on avance ensemble avec un objectif raisonnable, à mon avis, qui serait à premier trimestre ou premier semestre 2023 pour avoir ce schéma directeur. Voilà. C'est tout. Merci. Question suivante de M. Le Gouge sur les espaces verts. Pascal Le Gouge et qui va être lu par Corinne Béras. Madame le maire, nous avons reçu des messages de très nombreux spinoliens mécontents de la tonte des espaces verts publics et surtout du cimetière. Nombreux sont ceux qui nous ont indiqué avoir contacté la mairie sur ce sujet, mais pas de réponse. Pour répondre aux questions des spinoliens, nous vous demandons de nous préciser les points suivants. Y a-t-il eu une mise en concurrence pour le marché de la tonte? Quelles entreprises ont répondu à cette mise en concurrence? Quelle entreprise avez-vous choisie et sur quels critères? Pourriez-vous mettre à notre disposition, le cas échéant, les bons de commande adressés à des entreprises pour des interventions ponctuelles au cas par cas dans certains quartiers de la ville, en précisant la nature des prestations demandées, car dans de nombreux quartiers, le travail de tonte est à moitié fait. Ceci accroît le mécontentement des riverains des espaces verts publics concernés. Ils constatent un travail à moitié fait et mal fait. Avec ce fort mécontentement, les spinoliens alertent sur leur grande inquiétude de voir proliférer dans les hautes herbes des tiques, dont certaines sont porteuses de la maladie de Lyme, qu'elles peuvent transmettre aux humains par piqûre et entraîner, dans certains cas, une maladie invalidante. Les contaminations humaines surviennent à la période d'activité maximale des tiques en France entre le début du printemps et la fin de l'automne, selon le ministère de la Santé. Merci. Le sujet des espaces verts et de la tonte est en effet délicat. En premier lieu, je tiens à rappeler que l'Assemblée ici présente a approuvé à l'unanimité, lors du Conseil municipal du 14 décembre 2021, la charte d'engagement communal du plan climat-air-énergie territorial, le PCAET. Les actions définies dans ce PCAET visent à promouvoir la transition écologique et à lutter contre le réchauffement climatique aujourd'hui avéré. Les espaces verts sont gérés à la fois par les services municipaux et par une entreprise délégataire. Le précédent marché de tonte s'arrêtait fin décembre 2021. Nous avons souhaité prolonger ce contrat d'un an, en 2022, avant de lancer un nouveau marché pluriannuel à compter de 2023. Mais nous avons dû rejeter la proposition de prolongation de contrat, car pour des prestations identiques, les tarifs étaient multipliés par 3. De surcroît, la personne chargée du dossier est en arrêt maladie, ce qui a encore décalé la recherche de nouveaux prestataires. Les entreprises finalement choisies au mois d'avril seulement avaient déjà conclu tous leurs contrats et parviennent difficilement à recruter du nouveau personnel. L'ensemble de ces éléments explique le retard pris dans les premières tontes et dans les difficultés dans la réalisation des travaux suivants. Les entreprises partenaires ainsi que les personnels des services techniques, aux espaces verts, à la propreté, aux fêtes et cérémonies, les agents des structures sportives, tous travaillent au mieux dans les conditions difficiles et font leur possible pour les spinoliens. Tous les documents dont vous demandez communication sont consultables en mairie après demande à Madame la maire. Dans le même temps, nous avons décidé à titre transitoire de modifier les plans de tonte dès 2022, et d'aller vers une gestion différenciée des espaces verts. Ces changements sont allés trop vite, il fallait plus de progressivité et nous avons vraiment manqué de pédagogie. Cependant, une gestion différenciée des espaces verts ne signifie pas l'abandon de leur entretien. La loi climat et résilience nous impose un changement de gestion et à tous une évolution des mentalités pour la préservation de l'environnement et de la biodiversité. Nous tondions trop souvent sur toutes les surfaces et la coupe était trop rase. L'avenir des espaces verts d'Épinay s'oriente vers une nouvelle gestion de la tonte et la création de prairies fleuries dans le respect du cycle indispensable air-eau-sol.
Nous souhaitons impliquer les Spinoliens dans cette démarche. Aussi, avant de concrétiser le futur marché pluriannuel, nous allons organiser un atelier participatif sur le sujet de la tonte. Un appel à participation sera prochainement lancé pour un groupe de travail qui se réunira dès septembre 2022. Le cimetière donc fait aussi l'objet d'un marché avec une entreprise d'insertion de personnes handicapées. Alors, comme pour le restant de la tonte, ça a démarré en retard. Bon, là, ils interviennent une fois par mois par rapport à la prestation antérieure. Ils nettoient également les interstices entre les tombes, je vais y arriver. Et donc tout l'ensemble des espaces verts, sauf la partie des ruches. Mais une fois par mois, maintenant, le cimetière est entretenu. Au sujet d'éthique, le risque de leur présence est certain, mais pas seulement dans les herbes hautes. Hein, il suffit de 5 à 10 cm pour être mordu par une tique. Lorsque nous nous promenons dans les campagnes, dans les forêts, que ce que nous aimons tous faire, hein, le risque est identique. Il n'y en a pas plus en ville qu'il n'y en a ailleurs quand on se promène. Et alors, chacun doit s'inspecter à la fin de sa promenade, vérifier s'il n'a pas été mordu et enlever l'animal. Voilà. Il y a eu des études, j'ai encore lu cet après-midi, des études sur le sujet. Aux États-Unis, notamment, ils ont fait beaucoup d'études en faisant des tests sur des pelouses tondues toutes les semaines, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, tous les mois. Et en fait, il n'y a pas plus de tiques quand ça n'a pas été tondu pendant un mois que quand ça n'a pas été tondu pendant une semaine. Bon. Mais c'est vrai que la maladie de Lyme est très invalidante pour ceux qui en sont atteints. Voilà. Le micro. Oui. Une question de Marie-Laure ou de Thomas ? Bonjour. Je voudrais ajouter quelque chose sur ce sujet de la tonte. Donc c'est vrai que ça a été déclenché un peu vite et c'est vrai qu'on n'a pas suffisamment pris le temps d'en discuter avec les spinoliens, mais je voudrais revenir sur les raisons qui poussent à faire ça, notamment le déclin de la biodiversité des insectes, hein, qui est chiffré à plusieurs dizaines de pourcents. On parle de 70% de déclin des insectes. Hein, en quelques dizaines d'années seulement, insectes qui sont à la base de la chaîne alimentaire, donc c'est l'ensemble de la biodiversité qui est touchée. On parle également des insectes pollinisateurs, hein, on sait à quel point on y tient à épiner. Et aussi, vous avez parlé tout à l'heure de la lutte contre le réchauffement climatique et des îlots de chaleur. Il faut savoir aussi qu'une tonte rase, c'est aussi plus de chaleur dans là où on se promène. Un sol qui a, avec une herbe de quelques dizaines de centimètres, c'est un sol qui est moins chaud aussi. Donc il n'y a pas que les arbres qui participent à la lutte contre les îlots de chaleur. Donc il faut qu'on apprenne tous ensemble à retrouver de la nature en ville. On en a, mais on n'en a pas suffisamment. Et on a la chance d'avoir des espaces verts un peu partout dans Épinay. Et il faut vraiment qu'on travaille pour que les gens puissent effectivement se promener leurs chiens, etc. Mais qu'on ait aussi la place pour la nature et pour la biodiversité et qu'on retrouve des insectes, des oiseaux. Parce que je pense qu'on est tous témoins aussi que on les entend plus chanter. Et voilà, je pense que c'est important. Merci. Bon, après, il y a... Oui, tout de suite, je te donne la parole. Juste, je finis ma phrase, c'est ça. Il y a un travail de pédagogie à faire, effectivement. Nous, on sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut pas. On sait sur quoi on pourrait, effectivement, comprendre...
qu'on doit modifier notre position. Mais c'est vrai qu'il faut qu'on fasse un travail de pédagogie important auprès des spinoliens, puisqu'ils ne sont pas tous à nos côtés en mairie. Et il faut qu'on travaille là-dessus. Oui, Christiane. Oui, donc un effort de pédagogie, mais de toute façon, bon, il faut peut-être quand même éviter qu'il y ait des herbes trop hautes partout, mais avoir réserver certains espaces de biodiversité et sinon, par ailleurs, une hauteur raisonnable. Parce que pour les tiques, effectivement, c'est surtout quand même dans les herbes très hautes qu'elles prolifèrent. Bon, il faut être quand même clair. C'est ce qu'on avait lu un petit peu justement dans les rapports du de l'université du Massachusetts. Voilà. Donc, je pondère, quoi. Voilà. Et c'est bien pour ça que la gestion raisonnée des espaces verts publics, ça ne s'improvise pas et ça se fait à l'appui d'entreprises vraiment sachantes, donc qui vont pouvoir déterminer des espaces où l'herbe est coupée suffisamment rase pour permettre la marche, notamment sur les trottoirs, et des îlots où là on laisse vraiment pousser l'herbe et aussi des plantes fleuries de prairies qui petit à petit colonisent ces espaces qui seront laissés davantage, qui pourront pousser davantage. Et donc ça, c'est bien ça qu'il est prévu de mettre en place à l'appui d'associations et d'entreprises sachantes qui vont nous accompagner dans cette démarche qui va être progressive et qui va s'installer sur un cycle de 2 ou 3 ans, puisque le résultat optimal auquel on veut parvenir ne s'obtiendra pas dès l'année prochaine. Mais là, il y a eu un départ qui a été précipité et assez improvisé par une entreprise qui n'est visiblement pas spécialiste de ce type de gestion. Et c'est ce qu'on veut changer justement radicalement au travers du nouveau marché d'espaces verts que l'on va mettre en place à partir de l'automne. Et avec l'appui de personnes qui vont vraiment nous accompagner dans cette direction et de façon durable et qui permettra, j'espère, que tous les spinoliens soient contents de leurs espaces verts, à la fois pour marcher, pour regarder des espaces agréables et pour profiter des coins d'ombre nombreux à Épinay. Merci. Excusez-moi, je voudrais simplement rajouter... Pardon. Allez-y. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. C'était juste pour appuyer le propos un petit peu. Est-ce qu'on ne pourrait pas, justement, dans la réflexion de la modification du PLU, bien distinguer et faire des zonages au niveau des espaces verts, c'est-à-dire à savoir espaces verts entretenus, espaces verts dits laissés à un pseudo-état naturel, parce que bon, on n'arrivera pas à un état... Mais c'est-à-dire de bien les identifier, bien les distinguer pour que, justement, les spinoliens en aient la pleine compréhension de ces espaces, puisqu'on voit bien que ça peut semer un peu de désordre le jour où il n'y a pas de tonte, quand on attend une tonte. Et voilà, c'était juste pour éclaircir le propos. Un espace naturel reste un espace naturel. Il ne peut pas être maîtrisé par la main humaine. Ça, c'est, disons, ma première réponse à chaud que je peux vous faire. Ensuite, je veux revenir sur la graduation de la température des sols qui sont tondus. Il faut savoir qu'au-dessous de 10 cm de tonte, vous avez une température du sol qui est de 43,80 degrés. Voilà. Donc, en fait, un sol complètement desséché, qui est complètement imperméabilisé et qui ne répond pas aux bienfaits que la nature pourrait faire au niveau du cycle du sol, de l'air et de l'eau. Voilà. Donc, il faut bien avoir ça en tête pour exiger ensuite des tontes qui, malheureusement, effectivement, vous étiez habitués, et tous nous étions habitués d'ailleurs, à des tontes bien rasées, bien cadrées. Mais ça, c'était avant. Maintenant, il faut penser à l'après. Moi, mon propos n'était pas là. Mon propos était juste sur l'identification. Mon propos était juste sur... Mais voilà, moi, c'était juste sur l'identification, justement, de ces zones pour que tout le monde en ait la pleine compréhension. Merci.
Alors moi, ce que je crains, c'est qu'à trop zoner l'espace public, on finit par s'entraver soi-même. Mais bon, pourquoi pas, je ne suis pas opposée. Et on verra ça dans le cadre des ateliers et puis voilà, tout à fait. Alors, un dernier point. Je ne sais pas trop comment a été posée la question. Quant à la mise à disposition des bons de commande adressés à des entreprises pour des besoins ponctuels. C'est pas ça ? Ah, c'est ce que j'ai là. Non, c'est fini, c'était par rapport à la réponse pour les tontes. Mais ça, c'est quoi, ça ? C'est pour les tontes. Ah, ça, c'est rien. Bon, pardon. Alors, donc, c'est terminé. C'est terminé. C'est des notes. Il y avait un bout de copier-coller qui était resté. Je vous remercie pour toutes et tous pour ce conseil animé, argumenté, passionné et souriant. Un grand merci à Kevin et Corentin et William qui est parti tout à l'heure, que j'oublie régulièrement. Merci à tous les deux pour votre accompagnement technique. Merci à... je finis juste de dire merci derrière. Après je te... Merci à Cécile et Sandrine, à l'ensemble des services et la direction générale. À madame qui est notre sténotypiste qui nous accompagne discrètement. Toujours silencieusement derrière nous. Nathan, tu veux le mot de la fin ? Qui ça ? Mais c'est fait. Ah, merci. Oui, le mot de la fin pour inviter les spinoliens à participer au début de l'été et à la fin des animations proposées par la commune sur ce mois de juin, avec d'abord l'inauguration de l'îlot estival demain au Parc des Templiers à partir de 11h et toute la journée, et qui sera marquée. Oui, samedi. Oui, on n'est pas encore vendredi. Merci. Oui, donc samedi, je recommence. Inviter tous les spinners à venir samedi conclure ce programme d'animation qu'on a proposé à Épinay. Avec d'abord l'inauguration de l'îlot estival de 11h à 19h, avec tout un tas d'animations et notamment un spectacle. Et le soir, le retour pour la deuxième fois dans le parc de la mairie du cinéma de plein air, avec un film qui a été choisi par les Spinaliens et qui s'appelle « Tous en scène ». Et enfin, le 8 juillet, le vendredi soir, la dernière soirée des Halles, qui sera sur le thème de la salsa. Voilà, bon été.